Chers collègues, je vous propose de commencer notre audition en souhaitant la, la bienvenue à Monsieur euh, Rémi Rioux, directeur général de l'Agence française de développement, de M. Gilles Kletz, euh, directeur exécutif en charge du euh, développement durable, de Mme Beryl Bouteille, secrétaire générale du club IGFC. Euh, notre euh, délégation à la COP15 avait eu le plaisir de vous rencontrer à Montréal pour euh, un échange. Euh, très intéressant et le bureau de notre commission a décidé suite à cette COP15 de consacrer un cycle d'audition à la biodiversité avec une attention particulière aux suites qui seront données à cette conférence. Si nous avons souhaité vous entendre aujourd'hui, c'est en raison du rôle joué par l'institution financière publique dans les actions de défense de la biodiversité. En tant qu'institution financière, souvent surnommée le bras armé du Trésor, pour la politique du développement, la FD met en œuvre les politiques de l'État. Or, euh, les COP sur la biodiversité travaillent sur les mécanismes d'aide au développement, aux pays en développement, donc dans votre champ de compétences, et celle de Montréal a décidé la création d'un fonds du cadre mondial pour la biodiversité qui sera abritée par le Fonds mondial pour l'environnement. Par ailleurs, l'AFD est membre fondateur du club des institutions financières internationales en faveur du développement, l'IDFC pour l'acronyme anglais, qui réunit 27 banques de développement nationales, régionales et bilatérales. Cette coalition que vous présidez depuis plusieurs années représente 800 milliards de dollars d'engagement annuel, dont 185 milliards sur le climat et 14 milliards sur la biodiversité. Il s'agit d'un montant considérable. Aussi, nous souhaiterions que euh, votre audition nous permette de comprendre, outre l'action de l'AFD en matière de biodiversité, les raisons qui ont euh, présidé à la création de l'IDFC et plus largement, quelles actions concrètes cette coalition conduit en faveur de la biodiversité. Nous souhaiterions savoir également si ces actions sont conduites en application des instructions que donnent les gouvernements en tant qu'autorité de tutelle, ou si vous avez une latitude dans l'allocation de vos crédits qui a conduit l'ensemble des institutions financières publiques à œuvrer volontairement pour la biodiversité. Enfin, comment la création du fonds du cadre mondial pour la biodiversité va-t-elle être mise en œuvre et quelle dotation pourrait lui consacrer la France si vous disposez d'ores et déjà d'informations sur ce point précis Je vais donc vous laisser la parole pour une dizaine de minutes, puis nous en viendrons aux échanges avec les députés. Monsieur Rémi Rioux, la parole est à vous. Merci, merci beaucoup, Monsieur le Président, euh, et merci euh, Mesdames les députés, Messieurs les députés, pour, euh, pour cette invitation à intervenir euh, devant vous. Euh, je, je, je crois que c'est la première fois qu'un directeur général de l'AFD vient devant votre commission. Donc, on en est très honoré et je crois que c'est le début d'un cycle d'audition. Donc, commencer par l'international, les Outre-mer, ce cadre évidemment décidé à Montréal et surtout comment le rendre concret et comment l'appliquer. On en est évidemment très, très honoré et très fier. Je suis venu avec Gilles Kletz qui est l'ancien directeur du parc national de Guyane, donc qui connaît bien nos problématiques nationales et qui est aujourd'hui le, le directeur technique, je dirais, de l'AFD. On a appelé sa direction direction solution pour le développement durable, et avec Beryl Bouteille, qui est une spécialiste des questions de finances euh, durables, de finances vertes, et qui est actuellement la secrétaire générale, j'en dirai un mot, du club de banque publique de développement qui s'appelle IDFC, que je euh, préside depuis ma, bientôt six ans. Euh, et derrière eux, évidemment, c'est les 3500 3 professionnels de l'AFD euh, qui sont à votre entière disposition. Euh, lors de vos déplacements ou pour répondre à, à toutes vos questions. J'ai préparé un long PowerPoint que je ne vais pas. que je vais passer très rapidement, mais il est évidemment à votre disposition si vous le souhaitez, Monsieur le Président, pour vous donner rapidement un état de notre action et de la façon dont nous fonctionnons, et puis, bien sûr, vous écouter et répondre à, à vos questions. Je vous fais un petit signe. Quand on... Donc, comme c'est la première fois, peut-être juste vous redire ce qu'est l'AFD. Donc, c'est l'institution la, la, qui met en œuvre la politique de développement de la France à titre bilatéral. Elle est en effet sous la tutelle de trois ministères le ministère de l'Europe et des Affaires étrangères qui me conduit régulièrement devant la commission des affaires étrangères, bien sûr, la tutelle de, du ministère des Finances, ce qui m'amène de temps en temps devant la commission des Finances, et également le ministère de l'Outre-mer, puisque nous sommes, vous savez, historiquement, cette caisse est née en 1941, fondée par le général de Gaulle, elle s'appelait la Caisse centrale de la France libre, née en, à Londres, en Afrique, puis Outre-mer puis dans les états indépendants puis bien au-delà évidemment de l'Afrique elle est composée de trois entités euh, la maison AFD mère qui traite les clients publics, Proparco qui est notre filiale euh, dédiée au financement du secteur privé du Sud et depuis la loi du 4 août 2021, euh, Expertise France qui est euh, l'agence de coopération technique de la France qui n'est pas une institution financière, l'idée étant de mettre euh, les financements et euh, l'assistance technique, le renforcement de capacité, la formation avec les financements, c'est euh, un peu plus de 12 milliards d'euros. Euh, d'engagement chaque année. Et notre parcours, évidemment, je pense, est l'écho de l'évolution des questions environnementales. Cette maison a pris le sujet climatique très tôt. Elle a dit, dès 2004, que la lutte contre le changement climatique était de même importance que la lutte contre la pauvreté, qui est le mandat historique, bien sûr, de l'aide publique au développement et des agences de développement. Et elle a exploré comme ça, de façon très concrète, hein, par des projets depuis maintenant euh, près de 20 ans, comment on fait euh, à la fois euh, la lutte contre les inégalités et euh, la lutte euh, pour l'environnement dans les mêmes projets. Hein. Et évidemment, euh, nous avons... Euh, euh, servi euh, l'agenda climatique. On était très présent, Moi, j'étais le négociateur finance euh, pour le ministère, de, pour le gouvernement euh, lors de la COP21 à Paris. Donc, on tient les engagements de la France euh, de finance climat. Et puis, euh, c'est l'objet de notre audition, euh, avec le climat, euh, le sujet biodiversité euh, est venu immédiatement après. Euh, et euh, je vous donnerai les, les engagements que nous avons pris. Euh, C'est maintenant sur ce, ce nexus, ce lien entre climat, biodiversité et également euh, l'agenda social et institutionnel que nous travaillons. C'est finalement l'agenda des objectifs de développement durable tel qu'il a été euh, défini en 2015. Notre. Euh, notre empreinte géographique est la suivante. On a quatre départements géographiques. Dé L'Afrique évidemment, qui est euh, une petite moitié de notre activité, euh, toute Afrique. Hein. On a cessé de couper entre l'Afrique du Nord et l'Afrique subsaharienne. On a un grand département qu'on a appelé Orient, vous voyez, qui va des Balkans. Euh, jusqu'en mer de Chine, euh, où à peu près un tiers de notre activité, un département Amérique latine, plus classique, où on fait beaucoup de biodiversité, et euh, peut-être intéressant pour vous, un département qu'on a baptisé Trois Océans, où on a placé, nous sommes présents dans tous les territoires ultramarins de la République, mais on a mis dans la même entité les pays voisins. Et évidemment, euh, les questions de biodiversité euh, sont particulièrement euh, importantes dans ce, quand on raisonne euh, à, ce, à ce périmètre. Sur nos chiffres actuels de biodiversité, vous verrez euh, sur cette euh, page qui sont en forte croissance. Donc retenez aujourd'hui, l'AFD, c'est un petit milliard d'euros d'investissement chaque année pour la biodiversité, avec de plus en plus de projets, je dirais les plus difficiles, ceux qui sont des projets de, de conservation, ce qu'on appelle les projets 4-2 dans la terminologie de, de l'OCDE. Euh, une répartition géographique... Euh, avec beaucoup quand même d'Inde, d'Indonésie, de, de, de pays asiatiques, mais le maximum, évidemment, je vous l'ai dit, en, en Afrique et outre-mer. Et puis on a une conception évidemment, où on essaye de faire beaucoup de conservation, mais euh, on veut mettre euh, les solutions fondées pour la, sur la nature, la protection de, de la biodiversité dans l'ensemble des chaînes de valeur. Et donc vous voyez sur la, 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 les nature d'intervention beaucoup d'eau de, et de biodiversité, beaucoup de gestion des pêches et de biodiversité, beaucoup de au-delà au et de l'économie bien sûr, au-delà de la seule conservation sur laquelle on est évidemment très engagé euh, également. Euh, à la COP15, euh, nous nous sommes rencontrés avec euh, euh, vos, vos collègues, monsieur le président. On en était très heureux. On, on, on avait, à dire vrai, participé très activement à la préparation de la conférence. Euh, J'avais détaché une professionnelle de l'AFD, Odile Conchou, pendant deux ans, au sein même des équipes de la convention biodiversité, pour leur amener euh, ce qu'elle n'avait pas, finalement, une compétence financière. Parce qu'on savait que, comme dans les négociations climat, la question du financement de la biodiversité. Euh, allait être un élément euh, finalement décisif pour atteindre ou pas un accord, et ça a bien sûr été le cas. Euh, J'ai participé à Montréal à, au, à la première journée finance dans une COP biodiversité, habitude qui est maintenant prise dans les COP climat depuis longtemps, mais je crois que c'était particulièrement important. Je crois que j'étais le seul chef d'une du, institution de, de financement international à être présent. Que la voix, de, la voix de la France, bien sûr, par euh, votre présence, monsieur le, le président, et vos collègues, mais également la voix de cette agence euh, en son nom, soit entendue pour marquer notre, notre engagement. Notre engagement, peut-être sur la page d'après, c'est bien sûr de s'aligner sur le cadre mondial de, de Kunming Montréal. On a pris euh, euh, l'engagement de doubler nos financements euh, euh, biodiversité. On a pris l'engagement aussi de créer un lien très étroit entre la finance climat et la finance biodiversité. Donc la, il y a plus de force, il faut bien le dire, encore euh, dans euh, la lutte contre le changement climatique. On essaye dans euh, 30% de nos projets climat d'ajouter des composantes fondées sur la nature-biodiversité. Et on a proposé, bien sûr, j'y viens, à toutes les institutions financières, de faire de même, finalement, pour augmenter progressivement les flux euh, en direction de, de, la, de la nature. Euh, on s'est engagé à une approche nature plus, donc euh, éviter dans l'ensemble de nos projets des impacts négatifs euh, sur la nature, euh, financer la conservation et, comme je vous le disais, euh, diffuser dans l'ensemble du portefeuille cette préoccupation. Ça sur, sur notre action financière. On a aussi beaucoup d'actions de, auprès des gouvernements et des acteurs. Je pense notamment à la définition des stratégies nationales maintenant, qui s'appellent les NbSAP. Euh, co comparable au NDC du côté du climat euh, qui selon l'accord de, de Montréal, doivent être euh, maintenant définis précisément et fournir des opportunités d'investissement évidemment pour euh, le système financier. Euh, dernière chose, on fait aussi beaucoup de recherches, notamment la mesure, l'analyse de, des risques, lié à la destruction de la nature pour le système économique. On a fait une très belle étude qui s'appelle en bon français Silent Spring avec la Banque de France. Euh, on sait que la moitié hein, du PIB mondial est finalement fondée sur la bonne, le bon fonctionnement des, des, des écosystèmes. On ne le fait pas tout seul, évidemment, on le fait avec un... Sur la page d'après, avec un maximum de partenaires, les partenaires internationaux, le CIRAD, l'IRD, mais aussi les, les établissements publics dont la mission est d'abord nationale, comme l'Ifremer ou, ou l'OFB. On le fait dans un réseau d'acteurs internationaux très vaste que Gilles connaît très bien. IUCN, WWF, on est, on est relié évidemment à tout, tout cet écosystème international. Euh, je vous épargne les projets, mais euh, on peut évidemment donner beaucoup d'exemples. C'est la page d'après au, au Maroc sur la gestion de la forêt, dans l'Amazonie euh, sur la forêt aussi en, ayant, en allant chercher les savoirs euh, autochtones évidemment de façon très très innovante. C'est le projet. Euh, terres indigènes qu'on a signé d'ailleurs avec euh, la ministre Chrysoula Zakharopoulou euh, ministre du développement euh, à Montréal même une grande initiative dans le Pacifique aussi qui s'appelle Kiwa on est allé chercher de l'argent euh, européen de l'argent néo-zélandais de l'argent australien de l'argent canadien avec de l'argent français sur la protection de la, la biodiversité dans le Pacifique et d'autres et euh, eh bien d'autres euh, exemples trois échéances devant nous euh, que je, je vous indique, puisque euh, bien sûr euh, votre soutien euh, et l'appui à cette priorité de notre action euh, sera particulièrement important. On aura euh, euh, le mois prochain, au début mars, un, un, une réunion à Libreville sur la gestion des forêts, donc le, le One Forest Summit. Euh, le Président de la République a souhaité un sommet au mois de juin, à la fin du mois de juin, sur euh, un nouveau pacte financier pour la finance durable. Pour la solidarité avec les pays du Sud, dans lequel on travaille très activement. Et puis, à titre national, le comité interministériel à la coopération internationale et au développement devrait se réunir également dans le semestre qui vient. C'est lui hein, qui fixe notre mandat. Euh, évidemment, la commission des affaires étrangères est très associée à ce travail, mais je, je suppose que l'avis des autres commissions est aussi précieux. C'est ce comité interministériel qui ensuite se transforme en un contrat d'objectifs et de Moyen entre l'État et et l'Agence française de développement, où sont fixées nos grandes, nos grandes orientations. Donc, si vos sujets, les sujets de cette commission euh, doivent guider plus fortement encore, si vous le souhaitez, euh, notre action, c'est ce, par ce cadre-là juridique euh, que ça se, se, se détermine. J'ai mis une, une dernière slide, évidemment, pour vous rappeler euh, l'AFD, c'est la plus ancienne banque de développement internationale, 1941, mais bien sûr, euh, la France est aussi, euh, a aussi la chance d'avoir la plus ancienne banque publique de développement au monde. La Caisse des dépôts et consignations, née en 1816, elle. Et vous savez l'engagement d'Éric Lombard et de ses équipes également sur les sujets environnementaux et de transition juste. Je vous signale que nous avons une, une charte d'alliance entre finalement le, la Banque internationale, la Banque nationale, AFD, Caisse des dépôts, pour un certain nombre d'actions dans, dans le sens, je crois, que vous souhaitez. Ça m'amène rapidement à mon deuxième point qui est de vous dire que AFD et Caisse des dépôts. On a une place forte, importante, dans un travail de rassemblement, de mobilisation de l'ensemble des banques publiques de développement du monde. Euh, ça passe d'abord par ce club IDFC que vous avez mentionné, Monsieur le Président, que j'ai l'honneur de diriger depuis 2017, je crois. Euh, C'est un club qui est né en 2011, euh, qui rassemble non pas les banques internationales comme la Banque mondiale, mais je dirais les banques régionales ou nationales. Donc vous avez dedans la grande banque brésilienne, la BNDES, la grande banque sud-africaine, la DBSA, la grande banque chinoise aussi, la China Development Bank, la banque d'Indonésie, la banque allemande aussi, la KfW, et nous, nous sommes le membre, le membre français. C'est le climat, là aussi, qui a fait le, le lien entre toutes ces institutions. Et puis, plus profondément, je pense, l'agenda des ODD, qui suppose de lier finalement l'action internationale et la transformation nationale. Et ces banques nationales estimaient qu'elles avaient, en 2011, et bien sûr encore plus depuis 2015, une expérience singulière à partager avec les, les autres pays du monde. On a euh, cinq groupes de travail, un groupe de travail climat, on est le premier financier du climat hein, au monde, ce groupe euh, agrégé, un groupe de travail depuis 2018, hein, donc depuis bientôt cinq ans, spécifique sur euh, le financement de la biodiversité, un nouveau groupe sur l'alignement ODD, le sujet de genre et euh, bien sûr toutes les, les coopérations que nous pouvons naître euh, entre nous, euh, ce, ce, ce club un secrétariat qui est permanent, qui est basé à l'AFD, où nous gérons notamment une facilité d'assistance technique, de recherche, au bénéfice de ses membres. Euh, on a pris un engagement à Montréal, on a publié une, une résolution, une, une position commune, où nous nous sommes, les 26 membres d'IDFC, engagés à s'aligner. Euh, on on l'avait fait sur l'accord de Paris. Maintenant sur le cadre mondial pour la, pour la biodiversité, décliné en sept points que vous avez sur cette page. Et au-delà de cet engagement de principe, nous avons également pris un engagement financier qui est de mobiliser plus de 100 milliards de dollars de financement pour la biodiversité dans les cinq, enfin jusqu'en 2027, dans les cinq prochaines années. Euh, je vous ai mis pardon, la carte du club IDFC à votre disposition. Euh, on travaille maintenant sur la mise en œuvre de l'accord évidemment euh, qui ne doit pas rester lettre morte il faut le transformer en action, en politique publique on le fait. On a approuvé une boîte à outils euh, donc pour intégrer la biodiversité dans la stratégie et les opérations des institutions financières qu'on a rendu public, qui est à votre disposition également euh, à Montréal on publie aussi chaque année un, un bilan de la finance climat dans lequel on a ajouté la finance biodiversité donc le club IDFC l'année dernière là, il y a deux ans il a fait plus de 200, 200 20 milliards de dollars de finances climat et, et dans ces 220 milliards de finances vertes je dirais il ya 18 milliards de finances pour la biodiversité donc c'est un peu en extrapolant ces 18 milliards et avec un peu plus d'ambition qu'on a pris cet engagement 200 milliards on est également très impliqué dans les efforts de définition de vous savez de taxonomie sur la biodiversité donc ça c'est tout l'exercice qui s'appelle TNFD task force for nature disclosure euh, euh, qui est engagé au plan international entre cette fois les institutions financières privées et les institutions financières publiques on y représente on teste des, des, euh, des méthodes des, de reporting auprès des banques publiques pour qu'elles soient entendues dans ce travail. Là aussi, on est à votre disposition pour fournir euh, sur la slide suivante beaucoup d'exemples qui ne sont pas les exemples de l'AFD, qui sont portés par d'autres institutions financières publiques, euh, avec lesquelles parfois on est en cofinancement hein, ou pour démultiplier, mobiliser encore plus de moyens. Euh, je termine en vous disant qu'à partir de cette base, donc de 26 banques publiques, nous avons lancé en 2020 un mouvement encore plus large. C'est la slide suivante. Vous avez le logo qui s'appelle Finance en commun, Finance in Common. Nous avons déjà tenu euh, trois sommets, l'un, le premier à Paris. Dans un pari virtuel, le deuxième dans un Rome hybride à l'invitation de la Cassa Depositi e Prestiti, la grande banque publique nationale italienne. Euh, nous étions à Abidjan à l'invitation de la Banque africaine de développement et de la Banque européenne d'investissement au mois d'octobre dernier, et nous serons euh, nous serons en Colombie. On va beaucoup parler de biodiversité évidemment à à l'invitation de la Banque interaméricaine de développement et euh, les banques publiques colombiennes, Bancoldecs en particulier au mois de septembre septembre prochain. Là, là on ne parle pas de 26 banques. Hein. Le finance en commun, c'est une coalition de 520 banques publiques de développement. Donc, c'est-à-dire des institutions financières qui n'ont pas un objectif lucratif commercial, qui sont bah, comme la Caisse des dépôts, qui sont les instruments, les bras armés, oui, des, des, des gouvernements. Quand vous additionnez la capacité financière de l'ensemble de ces banques publiques, on est sur 2500 milliards de dollars euh, d'investissement chaque année, non pas des promesses, hein, ce qu'elles investissent aujourd'hui. Et donc euh, tout le travail qu'on fait, c'est comment ces institutions s'alignerait plus rapidement plus puissamment sur l'agenda des ODD y compris la biodiversité et comment bien sûr quest des dépôts comment elles peuvent ensuite faire rayonner dans leur propre pays auprès des acteurs publics du secteur privé des collectivités locales finalement cette expérience que la coopération internationale leur a permis de mobiliser de renforcer en leur propre sein donc c'est je crois un travail Très intéressant. La France, par notre présence, celle de la Caisse des Dépôts, est, je crois, très insérée au cœur de cette internationale finalement des banques publiques de développement qui prend beaucoup de force dans la très profonde crise dans laquelle nous sommes plongés. L'histoire des banques publiques, hein, vous le savez, à chaque grande crise mondiale, où évidemment les risques augmentent, donc les financements privés ont tendance à se tarir ou à se réduire, les gouvernements ont toujours souhaité renforcer leurs banques publiques dans ces moments-là et en leur demandant bien. Bien sûr, dans leur mandat de prendre les, les grands sujets du moment, la biodiversité étant évidemment un enjeu désormais majeur. Donc on espère bien euh, plus de force encore, bien sûr, dans les discussions nationales et internationales qui vont avoir lieu dans ce semestre. Et je crois qu'on a une base très solide d'ores et déjà sur le financement du climat et de la biodiversité. Encore une fois, en, en, en prenant le soin toujours d'y ajouter les questions sociales et les questions de renforcement des institutions pour pérenniser les actions. Mais euh, à votre écoute, bien sûr, pour le faire euh, différemment, le faire euh, dans certaines géographies prioritaires, le faire avec un... Une signature que vous souhaiterez être la nôtre, et évidemment en embarquant avec nous un maximum d'acteurs français de nos, de nos territoires, euh, dans, à la fois euh, renforcer le, la présence française, mais également s'instruire et comprendre les expériences, les innovations qui sont en train de naître partout dans le monde sur ces sujets et dont nous avons besoin, je crois, pour notre propre euh, transition, transition juste. Merci. Merci pour euh, cette Présentation très complète. Nous allons venir aux orateurs de groupe. Avant de commencer avec le groupe Renaissance, saluer la présence de la ministre Bateau qui vient dans notre commission. Euh, merci beaucoup d'assister à cette, à cette audition. Pour le groupe Renaissance, la parole est à Stéphane Buchou. Merci, monsieur le, le président, madame, messieurs, monsieur le directeur général. L'AFD est la première agence de développement à s'être fixé l'objectif que tous les projets financés soient 100% compatibles avec l'accord de Paris pour le climat, en s'assurant que chaque programme soutenu est cohérent avec un développement bas carbone et avec les engagements pris lors de la COP21. Cela témoigne du positionnement volontariste de la France en matière de climat. C'est une fierté et nous ne pouvons que nous en réjouir. Après avoir engagé 3,5 milliards d'euros pour la biodiversité entre 2015 et 2021, 3,4 milliards si je suis précis, si je, si je m'en si tiens à votre, à votre PowerPoint. L'AFD a annoncé à l'occasion du One Planet Summit qu'au moins 30% de ses financements climat seront directement destinés à la biodiversité d'ici 2025. Cet objectif est plus que bienvenu dans un contexte d'emballement du réchauffement climatique. Perturbation des écosystèmes, acidification des océans, disparition et prolifération de certaines espèces, il y a urgence pour le monde du vivant. La loi de programmation relative au développement solidaire et à la lutte contre les inégalités du 4 août 2021 a entre autres pour objectif de concentrer l'aide au développement dans les pays les plus vulnérables au réchauffement climatique et de répondre aux besoins spécifiques des Outre-mer dans le cadre de la stratégie 3 Océans dont vous avez parlé, monsieur le directeur général. Cette stratégie 3 océans, qui concerne l'Atlantique, l'Océanie et le Pacifique, a pour objectif d'assurer un avenir océanique aux territoires ultramarins et transfrontaliers et de se saisir des défis communs. Or il y a un défi commun de taille sur lequel je souhaite attirer votre attention et vous entendre. Un défi qui touche la France métropolitaine, mais encore plus fortement les outre-mer et les territoires avoisinants. La lutte contre l'érosion côtière et ses deux corollaires, le recul du trait de côte et la submersion marine. Comment l'AFD s'est jusqu'ici emparé de ce phénomène qui menace les territoires littoraux, les populations comme les écosystèmes Quels sont vos objectifs dans ce domaine précis pour les années et les décennies à venir Je vous remercie. Merci, chers collègues. Pour le groupe Rassemblement National, la parole est à Christophe Bartès. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le directeur général, nous vous remercions de votre présence et saluons de nombreuses actions et projets de l'Agence française au développement. Grâce à eux, la France véhicule à travers le monde sa vision d'un meilleur avenir et s'illustre comme un acteur de l'amélioration du quotidien. Néanmoins, comme vous devez vous y attendre, nous ne pouvons cautionner beaucoup de ces dépenses, en particulier dans des pays où l'on aurait du mal à considérer comme un voie de, de développement. Comment les Français pourraient saluer vos travaux de développement urbain et d'infrastructures partout dans le monde lorsque ces derniers voient les leurs se détériorer dans les campagnes? Je pense également à nos concitoyens d'outre mer qui doivent, à juste titre, grincer des dents en voyant les installations d'assainissement des eaux usées à Tiangjiang, excusez moi pour la prononciation, alors qu'ils n'ont même pas accès assuré à l'eau potable sur le sol français. Oui, un assainissement des eaux respectueux de l'environnement est, estima est estimable, pardon. mais pourquoi serait-ce l'AFD qui devrait le financer à plus de 33 millions d'euros La Chine est une puissance avec un PIB supérieur à celui de la France et sa croissance ne cesse d'augmenter. Ainsi, sous couvert de protection de l'environnement, nous devons comprendre que vous appauvrissez la France au profit d'une grande puissance étrangère. Malheureusement, malgré plusieurs aides au développement honorable, encore trop... Trop peu ne peuvent s'expliquer avec décence aux Français qui sont à bout de, financièrement. Alors aujourd'hui, nous tirerons profit de votre venue pour évoquer les enjeux de, des financements de l'AFD, mais surtout leur pertinence, lorsque la France elle-même voit ses conditions, les conditions de vie de ses habitants se dégrader. Je vous remercie. Merci, chers collègue pour le groupe La France Insoumise, IPES. La parole est à Émeric Caron. Merci, M. le Président, M. le Directeur Général. Le capitalisme financier, la finance, repose sur un principe simple, qu'on peut résumer ainsi un investisseur investit de l'argent dans une activité il souhaite que son investissement lui rapporte. Pour ce faire, le capitalisme financier repose sur un système d'action et sur la méthode de la spéculation qui profite aux actionnaires et aux banques, mais certainement pas au plus grand nombre. Pour le monde de la finance, l'intérêt général n'a aucune importance. Seuls les intérêts particuliers prévalent, ce qui explique que la finance, prédatrice, vorace, spéculative, a pris l'habitude d'attaquer le vivant comme un cancer. Pour exemple, en mai dernier, le directeur mondial de l'investissement responsable de HSBC a déclaré Qu'est-ce que ça peut faire si Miami est 6 mètres sous l'eau dans 100 ans Amsterdam est sous l'eau depuis des lustres et c'est un endroit très agréable. Alors, certes, ce monsieur a ensuite été licencié parce que ses propos des tâches, mais il illustre assez bien ce que pensent bon nombre de financiers, mais qu'il ne faut pas dire publiquement parce que ça nuit à l'image. Vous aurez donc compris, Monsieur Ryu, compte tenu des principes précédemment évoqués, qu'on a beaucoup de mal à imaginer cette réconciliation entre le monde de la finance et la préservation de la biodiversité que vous promouvez. D'ailleurs, en 2021, Mediapart rapportait que malgré ses promesses, l'Agence française de développement n'hésite pas à investir dans des projets qui détruisent la biodiversité, comme une usine d'engrais azoté au Nigeria, une production intensive de fleurs au Kenya ou encore des exploitations d'huile de palme. Alors, certes, le vivant nous rend des services écosystémiques estimé à plusieurs dizaines de milliers, de milliards d'euros. Préserver le vivant nous permet donc de faire des économies. Mais faire des économies, ce n'est pas la même chose que faire des bénéfices. Et c'est tout le problème lorsqu'on parle de finances. Ce qui se joue ici, c'est la notion de valeur. Valeur marchande ou valeur intrinsèque. Entre les deux, et sans négliger l'importance de la première dans une société entièrement organisée autour de l'argent, nous choisissons la seconde. Mais qu'est-ce que la finance ou les investissements financiers peuvent bien avoir à faire de la valeur intrinsèque d'une forêt, d'un fleuve ou d'un oiseau Ce sera ma question. Merci, chers collègues, pour le groupe Les Républicains. La parole est à Emmanuel Maquet. Merci Monsieur le Président, mes chers collègues, Monsieur le Directeur Général. La COP15 a permis de valider un objectif de protection de 30% des aires terrestres et marines d'ici 2030, mais aussi un engagement des pays riches à augmenter leur aide publique au développement en faveur de la biodiversité de 10 milliards de dollars par an à 20 milliards en 2025, 30 milliards en 2030. Au global, en comptant les financeurs privés, on passerait de 140 à 200 milliards en 2030. Ces engagements, Monsieur le Directeur Général, vous paraissent-ils assez contraignants la COP15 a prévu la création de manière détournée d'un fonds pour la biodiversité via une ligne comptable sur le fonds pour l'environnement mondial, le FEM. Ce fonds doit permettre de diversifier les sources de financement et de mieux tracer les contributions réelles des États. Croyez-vous cependant à sa mise en œuvre Une contribution via le FEM vous paraît-elle d'ailleurs aussi pertinente que nos aides bilatérales habituelles qui permettent un suivi de l'utilisation des fonds le contrat d'objectifs et de moyens de l'AFD fixe à l'agence des cibles en matière de financement de la biodiversité. Celles-ci paraissent très modestes, y compris par rapport aux résultats déjà obtenus par l'agence et à ses ambitions à venir. Estimez-vous comme le Sénat que ces objectifs mériteraient d'être réévalués cela m'amène, Monsieur le Directeur général, au sujet qui fâche régulièrement nos collègues de la Commission des Affaires étrangères lors de vos différentes auditions. Je pense aux reproches sur l'opacité de l'utilisation des fonds de l'AFD. Avec 12 milliards d'euros, l'AFD manie beaucoup d'argent. C'est cinq fois le budget du ministère des Affaires étrangères. Ceci induit que vous devez rendre des comptes, expliquer comment sont alloués les crédits. Or, les classements internationaux et les rapports de la Cour des comptes déplorent régulièrement le manque de transparence des dépenses de l'agence. Où en est la mise en place de la commission d'évaluation et de contrôle prévue par la loi de 2021 et dont le décret n'est toujours pas paru. Êtes-vous favorable à dupliquer le modèle britannique avec une commission 100% indépendante et au pouvoir étendu qui rend directement compte devant le Parlement Le thème de la biodiversité sera-t-il enfin l'occasion d'avoir une transparence satisfaisante dans les critères qui motivent la répartition des fonds de l'AFD Merci. Merci chers collègues. Pour le groupe démocrate, modem et indépendant, la parole est à Hubert Hoth. Monsieur le Président, Monsieur le Directeur Général, mes chers collègues, en décembre avait lieu la COP 15 qui avait la charge d'harmoniser les ambitions de tous les pays du monde au service de la protection de la biodiversité. Des 23 cibles de l'accord de Kunming-Mongréal, on peut dire que toutes sont nécessaires car leur complémentarité pour atteindre l'objectif est évidente. Aujourd'hui, je souhaiterais des précisions sur les cibles 10, 14 et 15 dont le succès est désormais indispensable. Cible 10. Garantir la gestion durable de tous les espaces exploités par l'homme est depuis des décennies un vœu pieux. Il faut sans plus attendre qu'il se concrétise si on veut vraiment stopper l'effondrement de la biodiversité. Cible 14. Intégrer la valeur de la biodiversité au processus de décision, autrement dit placer dans notre logique comptable la haute valeur de la nature, surtout celle des espaces qui accueillent la biodiversité. Seule cette révolution mettra les logiques financières face au prix du vivant. Il va sans dire que celui-là est très élevé. Cible 15 a encouragé les entreprises à déclarer les risques, dépendances et impacts sur la biodiversité. Cette démarche est nécessaire pour réconcilier définitivement l'activité humaine avec l'incontournable préservation des biotopes et écosystèmes. L'intégration de cet accord dans le cadre législatif français est un préalable nécessaire pour que la FD puisse influer ensuite sur sa, sur, pardon, sur sa promotion ou sa transposition chez le partenaire des autres pays. Cette tâche, je suis personnellement disposé à y contribuer. Intégrer la biodiversité concrètement et comptablement dans les décisions publiques et privées, tout autant que dans le comportement de nos concitoyens, est, est un combat qui m'implique depuis 30 ans comme enseignant, responsable associatif et aujourd'hui comme parlementaire. En ce qui concerne la diplomatie économique de notre pays, l'AFD est amenée à financer des États ou des entreprises étrangères. Comment va-t-elle conditionner l'octroi de l'aide au développement à l'intégration de ces cibles dans le cadre législatif des pays aidés Mais surtout, comment l'AFD pourra influer sur les autres banques de développement afin qu'à l'unisson, les financeurs de développement global transforment ces cibles ambitieuses en réalité contractuelle Merci. Merci, chers collègues, pour le groupe socialiste et apparenté. La parole est à Chantal Jourdan. Oh, le micro. Oui. Merci, Monsieur le Président, et merci le, Monsieur le Directeur Général pour la présentation. Donc, nous le savons, la biodiversité connaît une crise mondiale majeure. De nombreux écosystèmes clés se dégradent et nous entrons dans une sixième extinction de masse des espèces. Face à l'urgence, tous les acteurs doivent se mobiliser, les institutions publiques financières ont évidemment un rôle important à jouer, notamment en orientant leur financement vers la protection de la restauration de la biodiversité. Des engagements divers ont été pris en ce sens, notamment sur l'alignement avec les objectifs de l'accord de Paris. Pouvez-vous nous faire donc un bilan de ces engagements et nous indiquer s'il existe des disparités à l'échelle internationale et quels sont les points de blocage Pouvez-vous également nous indiquer si les nouveaux objectifs que vous avez portés lors de la COP15 ont, ont bien été tous pris en compte Également, nous le savons, les atteintes aux écosystèmes touchent de façon encore plus intense et précoce les pays pauvres et en voie de développement. Cette dimension se doit d'être au cœur de l'action des institutions publiques financières afin d'accompagner les projets permettant notamment de concilier de souveraineté alimentaire, accès et partage de l'eau, protection des sols et de la biodiversité en général. Pourriez vous nous indiquer comment fonctionne la coopération entre les institutions financières publiques dans le monde pour orienter des efforts significatifs dans ces zones les plus durement touchées et rééquilibrer les relations nord sud? Enfin, pouvez vous nous détailler les interactions qui existent entre les institutions financières publiques et privées, et notamment quel rapport de force il existe, quelle marge de manœuvre les institutions publiques ont-elles pour influer sur les financements privés d'activités néfastes pour l'environnement et ayant des conséquences humaines négatives bien souvent aussi. Je pense par exemple à des exploitations minières ou des activités liées aux énergies fossiles. Je vous remercie. Merci, chers collègues. Pour le groupe Horizon et Apparenté, la parole est à Anne-Cécile Violant. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le Président, Monsieur le Directeur, chers collègues, je tiens tout d'abord à vous remercier, Monsieur le Président et Monsieur le Directeur, pour l'organisation de cette audition. Premièrement, car la biodiversité a toute sa place dans les débats de notre commission, bien évidemment, et qu'elle ne doit être absolument pas l'oubliée de nos politiques publiques dans le contexte de crise énergétique que nous traversons. Deuxièmement, car en tant que parlementaires, nous nous devons également d'agir sur le temps long, de prendre en compte les tendances globales. Particulièrement au regard de la biodiversité mondiale, l'expertise et l'action de l'Agence française de développement sont essentielles à tous les niveaux. Comme nous le savons tous, une évidence, la crise climatique s'accélère, les catastrophes naturelles se multiplient et les conséquences sont à la fois dévastatrices et coûteuses pour les populations et les États. La nature joue un rôle essentiel dans la régulation de la crise climatique dans la mesure où les forêts, les océans, les zones humides sont des puits de carbone et des facteurs de résilience pour les territoires. Vous le rappelez dans votre dernier rapport sur la biodiversité, on estime qu'un tiers de la réduction des émissions de gaz à effet de serre nécessaire à l'atteinte des objectifs de l'accord de Paris peut venir des écosystèmes. Concrètement, donc, nous pouvons apporter des solutions fondées sur la nature. Face à ce double constat, celui alarmant de l'état de la biodiversité et celui de l'espoir en des solutions à portée de main, l'AFD est-elle à la hauteur du rendez-vous Le budget de l'agence est en augmentation constante, vous l'avez dit, sa part allouée à la biodiversité l'est également, mais en réalité, 98 millions seulement sont engagés dans des projets dédiés uniquement à la biodiversité, finalement assez peu comparativement aux autres secteurs d'intervention de l'agence. Alors que nous savons que la biodiversité est un préalable à la réalisation de nos objectifs dans les autres secteurs, en ce sens également, l'AFD entend porter d'ici 2025 sa finance à 1 milliard par an en biodiversité. L'objectif pourra-t-il être atteint Enfin, je souhaiterais vous interroger plus précisément sur la question de l'accès à l'eau et à l'assainissement. Droit humain reconnu depuis le 2010 par l'Organisation des Nations Unies, ce droit appliqué à la réalité reste un défi considérable. Pourriez-vous nous donner les grandes lignes de votre vision quant à cette question et d'une manière plus générale, la préservation de cette ressource Je vous remercie. Merci, chers collègues. Pour le groupe écologiste NUPES, la parole est à Lisa Belouko. Merci, M. le Président. M. le Directeur général, chers collègues, la COP15 sur la biodiversité a permis d'aboutir à un accord considéré comme ambitieux pour la protection de la biodiversité mondiale. Cet accord affirme la nécessité de protéger au moins 30% de la planète via des aires protégées, sans que celle-ci ne soit précisément définie. Il définit également 23 nouvelles cibles et acte un soutien financier accru du nord vers le sud avec l'objectif d'atteindre un soutien de 30 milliards de dollars par an d'ici 2030. En tant que banque publique de développement, l'AFD a un rôle essentiel dans la mise en œuvre de ce soutien nord-sud. Votre budget destiné à la finance positive pour la nature devrait même atteindre un milliard d'euros d'ici 2025. Cependant, cette approche nous semble problématique. Il ne s'agit pas d'un côté de dédier des fonds à la préservation et à la restauration de la biodiversité pour, de l'autre côté, financer des projets, notamment d'infrastructures, qui seraient contraires à ces objectifs. Au-delà de réorienter une partie de votre budget vers la finance positive pour la nature, comment comptez-vous prendre en compte l'impact sur la biodiversité de toute votre activité Avez-vous mis en place des outils permettant un pilotage fin des impacts de votre activité sur la biodiversité le président Macron a annoncé lors de la COP15 des contrats politiques et financiers permettant de garantir la conservation des réserves vitales de carbone et de biodiversité en partenariat avec les pays qui les abritent. Ce mécanisme vise à la création d'un marché de crédit de biodiversité un peu sur le modèle du, du marché de crédit carbone. Cela pourrait aboutir soit à la possibilité d'acquérir des crédits de compensation dans le cadre de la démarche ERC, éviter, réduire, compenser, soit à permettre l'acquisition de crédits permettant de financer des actions en faveur de la biodiversité, un peu comme les crédits carbone volontaires. Quel est le rôle de l'AFD dans ce mécanisme Pensez-vous qu'il permettra d'améliorer la préservation de la biodiversité mondiale alors même que nous savons. Que la logique de crédit carbone est un échec pour la préservation du climat. Merci, chers collègues, et enfin pour le groupe Liberté Indépendant. Outre-mer et territoire. La parole est à David Topi. Merci, Monsieur le Président, Monsieur le Directeur Général, chers collègues. Comme le changement climatique, la perte de biodiversité pourrait être porteuse de risques financiers. Une note de la Banque de France à ce sujet relève d'ailleurs que 42% de la valeur du portefeuille de titres détenu par des institutions financières françaises, correspond à des titres émis par des entreprises qui dépendent fortement ou très fortement d'au moins un, système, un service écosystémique. Qu'en est-il de l'AFD Pensez-vous que son portefeuille soit vulnérable à la perte de biodiversité lors de votre audition par la Commission des affaires étrangères en septembre dernier, vous étiez fixé comme objectif de travailler à faire de l'AFD la première institution à se financer exclusivement par des obligations vertes et durables en 2025. Quelles actions ont été prises depuis pour parvenir à cet objectif Quelle part des obligations vertes et durables finance des actions en faveur de la biodiversité Quels contrôles ou vérifications sont opérés pour Depuis 2017, vous présidez l'IDFC qui est un réseau de 27 banques de développement s'efforçant de coordonner leurs actions, notamment pour atteindre les objectifs de développement durable, adoptés par les Nations Unies en 2015, et les objectifs de l'accord de Paris sur le climat. Le financement des actions en faveur de la biodiversité a-t-il été ciblé comme prioritaire dans ce cadre Depuis quelques années, l'AFD a tendance à favoriser les prêts, à travers des banques de développement, plutôt que des dons. Pourquoi ce choix une dernière question concernant les fonds fiduciaires de conservation de la biodiversité. Ces institutions financières indépendantes des États ont pour objectif d'assurer un financement pérenne en faveur de la biodiversité. Une évaluation transversale de ces fonds a été menée à l'occasion du Congrès mondial de la nature de l'UICN à Marseille. Quels enseignements ont été tirés Je vous remercie. Merci les orateurs pour ces prises de parole. Je vous laisse le soin de, de répondre comme vous le souhaitez, en sachant que vous avez d'ores et déjà six questions euh, qui sont euh, huit questions. bien Merci, merci beaucoup à, à vous toutes et tous. Si vous me le permettez, monsieur le président, je, je vais peut-être prendre... Euh, Peut-être par thème, euh, et puis euh, Gilles en particulier, peut-être Beryl si elle le souhaite, pourront compléter sur euh, not notamment Gilles, peut-être sur les, les questions qui sont directement liées à l'accord de Montréal, puisque tu, tu étais très présent euh, plus longtemps que moi. Euh, au Canada euh, et depuis longtemps dans euh, comment on en est arrivé là et puis surtout maintenant comment euh, est-ce que ça va être performatif enfin, est-ce que quelque chose va se passer derrière et quelle part la France via son agence pourrait pourrait y prendre je, je vais commencer peut-être euh, Monsieur le Président par euh, convenir avec vous tous évidemment qu'on est dans on est dans une très grande transformation euh, transformation euh, de notre économie transformation des systèmes financiers euh, euh, transformation aussi probablement des cadres de référence qui guident l'action de l'ensemble de ces institutions et qu'on est dans une période un peu encore un peu incertaine euh, et où euh, le, le plus rapidement on clarifie euh, les objectifs, les logiques euh, au-delà de la seule rentabilité financière euh, qui peuvent permettre euh, d'atteindre les objectifs de développement durable puisque cet agenda s'impose à nous tous euh, depuis 2015 euh, le mieux. La première chose peut-être le... il me semble que dans la discussion euh, est apparue notamment euh, dans les questions de, de M Barthès et, et d'autres. Euh, je pense un, un sujet euh, très sérieux qui est euh, nous avons aujourd'hui deux référentiels finalement et deux objectifs. l'un qui est bien sûr le premier qui nous guide, qui est la, la protection euh, non pas seulement des plus pauvres, mais des plus vulnérables hein, désormais. Et un autre qui est finalement la protection, le financement des biens publics mondiaux, des, des biens communs. C'est-à-dire, et ce sont deux objectifs qui sont assez différents. Et aujourd'hui, pour faire cela, nous avons deux outils, deux cadres de référence. D'une part, la vieille, très ancienne, hein, qui date des indépendances, hein, 1969, le comité d'aide publique au développement de l'OCDE, qui est un cadre que je respecte, hein, que l'AFD sert qui est très précis, qui est très... Qui, ou, ou, mais dans lequel, il faut bien le dire, les questions environnementales n'existent pas. L'aide publique au développement, c'est vraiment l'indice de développement humain des Nations Unies, c'est-à-dire le revenu par habitant, la santé, l'éducation. C'est ça, l'indice de développement des, des, Nations Unies, des, des Nations Unies. Et puis, évidemment, parce que la réalité et sa crise s'imposent progressivement, est apparu un deuxième cadre de référence. Notamment en 2015, lors de l'accord de Paris, qui est celui de la, de la finance climat, en fait, et désormais maintenant de la finance climat-biodiversité. Ce cadre est très puissant politiquement, il nous guide aussi, et il est encore très incertain en termes de, oui, de transparence, de redevabilité, de, de lieu où elle serait déclarée, suivie, mesurée. Et, et d'une certaine façon, aujourd'hui, l'aide publique au développement et la finance climat, qui pendant un certain temps, je pense, ont permis d'augmenter les flux, puisque l'aide publique au développement n'a jamais été aussi élevée aujourd'hui dans son histoire. Je pense personnellement, je l'ai écrit d'ailleurs, que la coexistence de ces deux référentiels est devenue un problème, en fait, et conduit finalement à votre interpellation. Où euh, euh, on voit bien que euh, les deux objectifs qui guident cette agence et que vous avez vous-même fixés dans la loi du 4 août 2021, c'est-à-dire financer les territoires, les populations les plus exposées, les plus pauvres, les plus vulnérables d'une part, et les pays euh, qui sont euh, où l'urgence est la plus grande, et d'autre part quand même contribuer à la réduction des émissions des gaz à effet de serre et à la protection de la biodiversité, et ça d'une certaine façon le faire partout puisque c'est notre intérêt commun que les émissions baissent, quel que soit le pays dans lequel on obtient ce résultat, eh bien, tout ça est encore un peu, je trouve, emmêlé et mériterait, gagnerait, c'est d'ailleurs, je pense, un des objectifs peut-être de ce sommet du mois de juin. À, à, à... Vous voyez, on a deux, défis, on a deux politiques, l'aide publique au développement, la finance climat. Il faudrait redéfinir, on a, on a publié d'ailleurs, si ça vous intéresse, un petit papier de recherche qui s'appelle L'aide publique au développement à l'âge des conséquences. Donc, à l'âge du climat récemment, en deux politiques publiques, une politique peut-être plus précise encore de protection des plus vulnérables, dans laquelle on ajouterait l'impact, l'adaptation, les pertes et préjudices, tout ce qui vient renforcer encore des trappes finalement à où les plus pauvres, les plus vulnérables restent de plus en plus vulnérables et d'autre part une politique plus puissante encore où on mobiliserait là bien sûr d'autres flux financiers qui seraient qui viseraient à réduire et à transformer in fine le, le système financier quand même et le faire partout y compris en France dans notre propre système économique et financier. Et ça et moi j'aimerais que l'agence que je dirige soit guidée sur ces deux objectifs, voyez Alors qu'aujourd'hui finalement elle n'est guidée que sur ses propres financements. Ce qui est un peu réducteur et par lesquels nous servons ces deux politiques publiques, je crois, qui sont en train d'émerger. Et j'ajoute pour M. Bartès à nouveau qu'il faut. Et puis également pour M. Maquet, évidemment, le budget de l'AFD, ce n'est pas cinq fois le budget du ministère des Affaires étrangères, pas du tout. C'est parce que, là, évidemment, le budget de l'AFD, c'est à la fois des moyens budgétaires, un budget, qui sont votés d'ailleurs chaque année en loi de finances par le Parlement. Et c'est bien avec ces moyens-là que nous faisons des dons, par exemple. Euh, et puis d'autre part, c'est une activité financière de banque publique de développement, où là, nous allons mobiliser effectivement le, les, les marchés, euh, et où nous prêtons. Donc par exemple, quand on travaille dans les pays émergents, où nous travaillons évidemment à la réduction des émissions et à la protection de la biodiversité, vous le savez bien, on le fait sans argent budgétaire. Donc, c'est des prêts. Donc, c'est ces pays qui s'endettent, finalement, auprès de l'AFD et qui payent un taux d'intérêt hein, euh, pour des objectifs que nous avons fixés, des programmes, des impacts que nous avons fixés en commun. Donc, je pense qu'il faut. il faut L'AFD, il faut, il, vous voyez, c'est 12 milliards d'activités, c'est à peu près euh, 2 milliards de moyens budgétaires, en fait. Vous voyez donc il faut comparer ces 2 milliards avec euh, les autres politiques publiques euh, qui sont évidemment, et, et se poser la question d'ailleurs de la bonne allocation des moyens budgétaires. Ça c'est le débat chaque année en, en, loi, en loi de finances. S'agissant euh, de votre question ce, je, précisément sur euh, l'engagement que j'ai pris de que l'agence soit financée euh, en totalité, euh, à l'issue, je l'espère, de mon troisième mandat en titre vert ou durable. Euh, pour vous informer, donc, nous sommes à 50% aujourd'hui, la, la moitié des, des obligations levées sur les marchés financiers par la l'AFD. Ont, euh, sont des obligations vertes ou durables. Et donc, j'adorerais qu'on arrive à 100% et qu'on qu mette cette référence. On serait la première institution financière à faire cela et à montrer que c'est possible. Évidemment, ça ne dépend pas que de nous ça dépend aussi euh, de la profondeur euh, des marchés euh, des obligations vertes, qui ont beaucoup progressé, mais qui sont encore un un segment très minoritaire encore dans le marché des obligations dans son ensemble. Donc on veut être moteur comme l'ont été d'ailleurs la BEI, la KfW. Ce marché des obligations vertes, il a été créé par les banques publiques de développement, la Banque mondiale aussi. Et nous sommes tous très actifs, très militants. Pour euh, que les entreprises maintenant euh, euh, l'utilisent euh, également euh, et euh, finalement, in fine, transforment l'ensemble du marché des obligations en un marché vert et durable, qu'on ne se pose même plus cette question. Et, et ce que nous cherchons à faire, évidemment, c'est pas seulement à mettre des projets en face de ces obligations, mais à mettre l'AFD dans son ensemble. À mettre l'AFD, ses procédures, sa rigueur, sa transparence en face des marchés, euh, pour que la question. et, et pour que d'ailleurs le marché récompense l'AFD avec des financements à moindre coût, que nous transmettons ensuite à nos clients et, et partenaires euh, dans les pays. Euh, J'en viens d'ailleurs à la question sur, de M. Buchou sur l'alignement. Vous, vous êtes intervenu là-dessus. Pour nous, l'alignement, c'est quelque chose de très très précis. Hein. Euh, nous avons depuis 2014, au sein de l'AFD, une procédure qui s'appelle l'Avis Développement Durable, qui a été mis en place d'ailleurs à l'époque, c'est Pascal Canfin qui avait beaucoup poussé, ministre du Développement, pour cette procédure. Donc on a maintenant vous voyez, 7-8 ans de recul, et tous les projets de l'AFD passent en, en somme à travers un filtre, et nous attribuons des notes en matière environnementale, sociale, à chacun des projets. Et la logique, c'est les projets qui ont des, trop mauvaises, des mauvaises notes, on ne les finance pas. Oui. Et in fine, donc, euh, pour répondre à, à, à Madame Violent, c'est bien l'ensemble du portefeuille de l'AFD euh, qui a la qualité que vous attendez de cette institution. Et on ne le fait pas que pour nous, on le fait évidemment on, on vend dans le monde entier on propose dans le monde entier à des institutions financières publiques d'abord, bien sûr, mais également privées, d'adopter un même type de méthodologie interne pour garantir la qualité de, leur, de leurs investissements. Euh, mais encore une fois, il faut bien distinguer, je pense, la, la politique pour les plus vulnérables et la politique de, de, de financement des biens publics mondiaux. Et on a évidemment de façon urgente besoin, euh, besoin des, des deux. Et d'ailleurs, souvenez-vous, dans la loi du 4 août, vous nous avez demandé, y compris dans le mandat fixé par la l'AFD par la loi du 4 août, vous nous avez demandé de faire les deux, d'intervenir dans les pays les plus vulnérables, et d'une certaine façon d'y faire le maximum de ce qu'on peut faire. Peut faire et d'intervenir aussi dans les pays émergents avec là l'effet de levier maximum sur les autres acteurs pour essayer d'être à l'échelle des problèmes dont nous, dont nous parlons. Donc oui, Monsieur Caron, tout à fait d'accord avec vous. Enfin, je veux dire, bien sûr qu'il faut euh, changer euh, notre moteur euh, économique. Bien sûr qu'il faut du capital plus patient. Bien sûr qu'il faut intégrer à la rentabilité financière, à la rentabilité euh, environnementale. Euh, C'est l'objet même de ce que je, je, je crois, que je vous ai essayé de vous présenter. Bien sûr que les, les, les investissements changent avec le temps. Donc il y a des investissements aujourd'hui. Que l'AFD la a pu faire dans le passé, qu'elle ne fera plus, qu'elle ne fait plus. Par exemple, on a pris l'engagement à Glasgow l'année dernière, l'AFD est totalement sortie du secteur des, des énergies fossiles, totalement. On n'est même plus dans le gaz, on n'est dans plus rien. Ça nous vaut d'ailleurs des discussions complexes avec, par exemple, les gouvernements des pays africains, euh, qui nous disent euh, vous, vous avez vous-même exploité massivement vos ressources fossiles, et nous, au moment où nous découvrons du gaz, on n'a pas le droit de le vous ne le financerez pas. Alors il faut qu'on leur... nous on leur dit mais parce que nous d'une part on n'est pas si gros donc on va financer en priorité les énergies renouvelables et on pense que c'est l'avenir aussi de vos pays mais vous voyez c'est une discussion assez compliquée. Donc on a pris des listes d'interdictions très strictes à l'AFD. Pour toute une série, elles sont publiques, d'ailleurs, elles sont à votre disposition. Et encore une fois, elles évoluent avec le temps. Je ne vous dis pas ici que l'AFD aujourd'hui est parfaite et que l'AFD dans 3-5 ans sera la même que celle d'aujourd'hui. Ce que je veux juste vous, vous dire, c'est que on, on a, je crois, le, le, cet engagement, cette volonté de clarifier le cadre et de renforcer la qualité de l'investissement. Et puis par ailleurs, nous, on, est des, on fait de l'investissement public. Donc ce que je vous ai démontré dans ma présentation, je crois, et si Eric Lombard venait ici, c'est que tout ne va pas être financé par le privé, tout ne va pas absolument faire l'objet de mécanismes de marché, de crédit carbone, et il faut absolument une capacité de financement et d'investissement public, c'est l'objet même de l'activité de la Caisse des dépôts ou de, de l'AFD. Le, le groupe des banques publiques de développement, la finance en commun dont je vous parlais, pour vous donner un ordre de grandeur, 2500 milliards de dollars chaque année, donc d'investissements publics, d'institutions qui obéissent à leur gouvernement, c'est 15% de l'investissement mondial. Donc ça veut dire que les gouvernements, nous, nous, notre, notre combat, c'est que les gouvernements dans tous les pays du monde disent à leurs banques publiques, comme ça a été fait pour l'AFD et pour la Caisse des dépôts, alignez-vous sur l'accord de Paris et sur le cadre de Montréal changez le mandat, les statuts de ces institutions. Et ça, ça va avoir une vraie conséquence, parce que 15% de l'investissement mondial va devenir euh, de meilleure qualité. Et après, euh, Monsieur Caron, euh, après euh, il ne faut pas s'arrêter. Donc ça, ça fait déjà 15% de l'investissement mondial qui est de la qualité que vous attendez. Et on n'y est pas, hein, évidemment. Et puis après, euh, évidemment, vous voyez la Caisse des dépôts euh, elle est actionnaire de, des entreprises du CAC 40, elle finance les collectivités locales elle parle. Donc elle a une capacité aussi de démultiplication, d'orientation de, progressive d'autres flux financiers, d'autres acteurs. Dans le sens recherché. Donc, bien sûr que le, le, les acteurs privés ne vont pas le faire tout seuls, bien sûr qu'il faut de l'investissement public et bien sûr qu'il faut aussi de la régulation. Donc, vous savez, le, on travaille aussi très activement avec les banques centrales. Il y a le, le réseau qui s'appelle NGFS, dont l'objectif est de changer et d'intégrer dans la régulation financière, donc in fine le cadre qui s'applique à l'AFD aussi, et y intégrer des éléments de nature environnementale, d'où les, les, les études. Euh, que citait euh, euh, votre collègue et qui sont tout à fait justes sur euh, Monsieur Tauriac, pardon, sur le, 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 la part de, du système financier qui repose sur le bon fonctionnement des, des écosystèmes. Euh, Monsieur McKay, je, je sur, sur l'opacité, la transparence. Euh, je, je suis évidemment, nous sommes à votre disposition euh, pour clarifier ce point qui traîne. Je l'entends enfin, souvent, mais encore une fois, je ne sais pas par rapport à quoi euh, cette critique euh, a lieu. Euh, si c'est un article de Mediapart, permettez-moi de, 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 de différer. J'y ai répondu d'ailleurs. Euh, évidemment, nous suivons les règles, les, règles les, les, les lois et règlements, notamment un certain nombre de règles sont fixées euh, s'agissant d'une institution financière et du respect du secret bancaire. Mais tout ce qu'on peut rendre transparent, nous le rendons transparent. Tous les projets de l'AFD sont sur le site internet de l'AFD. Nous publions toutes nos évaluations ex post qui sont à votre disposition. Et surtout, nous sommes à la disposition de toute interpellation, de tout débat sur la, 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 les impacts, la force du, du travail de l'AFD. Donc, je, encore une fois, je suis devant vous, je suis prêt, et tous nos collègues sont prêts à revenir devant vous. On n'est pas parfait. Euh, mais on est transparent, je crois, honnêtement, euh, et, et, et on, on, on veut l'être euh, au maximum de ce que vous fixez dans le cadre réglementaire français. Parfois, on nous compare à la Banque mondiale, mais vous savez, la Banque mondiale, elle ne vit pas dans le même cadre juridique. Euh, donc nous, on aimerait bien, mais on, on est euh, en partie limité. Euh, La Banque mondiale, précisément, vous avez interrogé euh, sur le Fonds pour l'environnement mondial, M. Maquet. Donc euh, je pense que c'est une bonne chose que cette, ce nouveau fonds ait été placé dans une institution existante. Euh, vous savez que ce n'est pas le choix qui a été fait à la COP27 s'agissant du fonds sur les pertes et préjudices. Là, je pense que ça va permettre d'aller plus vite. Et à dire vrai, il y a déjà une fenêtre dans le fonds pour l'environnement mondial qui traite de biodiversité. Donc euh, on peut la faire grandir, on peut la transformer, on peut la gérer différemment. Euh, sur ce point, euh, moi, mon, ma seule requête, c'est de bien veiller à articuler le rôle des institutions multilatérales et le rôle des institutions nationales. Voyez. Euh, je crois que c'est M. Hoth euh, qui l'a dit, euh, euh, il ne s'agit pas de dire que c'est une question internationale en fait, cette affaire, c'est une question pour chacun des États, chacun des gouvernements. Et donc moi, je, je conçois le Fonds pour l'environnement mondial ou le fonds, pour le, 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 le fonds vert pour le climat ou la Banque mondiale. Leur rôle principal comme institution multilatérale, c'est d'avoir un effet d'entraînement. Sur les institutions nationales, finalement, et non pas d'imposer de, de l'extérieur quelque chose qui ne sera pas durable s'il n'est pas approprié par le, les acteurs politiques, les acteurs économiques, les acteurs sociaux de, de, de chacun des pays. Et donc vous voyez bien l'idée, le, le, par exemple, que les banques publiques dont je vous parlais aient accès au fonds du FEM. Je pense que ça, c'est un très puissant moyen de les accompagner dans leur transformation. Ce n'est pas le cas aujourd'hui. Les, les fonds du, du FEM ne sont pas accessibles à tous mes, les amis que je suis venu vous présenter. Alors que le Fonds vert pour le climat, par exemple, est beaucoup plus ouvert. Donc, moi, je plaide pour une architecture ouverte. Du, au plan multilatéral de telle sorte qu'on mobilise le plus de force possible dans chacun des pays et pour aller dans votre sens monsieur Hoth, l'article 29 de la loi énergie sur le, le, le rendre public les résultats non financiers des, des, des institutions financières françaises, soyez certains que c'est quelque chose qui est très très précieux pour nous à l'international, c'est à dire on, on va expliquer que ça existe, que la loi française l'a prévu, donc tout ce que vous discutez dans cette commission, tout ce que vous votez au parlement ici, à l'assemblée comme au Sénat, soyez certains que nous, c'est des points d'appui très importants. Je, je pense que notre mission dépasse cela. Nous, on doit aussi, et on ne le fait pas assez, on doit vous amener dans cette commission des exemples d'innovation, y compris d'innovation juridique, qui auraient lieu ailleurs dans le monde et qui pourraient peut-être être intégrés, pris en considération dans vos travaux. Donc, vous voyez, l'AFD, c'est vraiment une maison qui doit marcher dans les deux sens. C'est-à-dire, bien sûr, elle est française. Et donc elle explique l'expérience de développement de la France, qui s'est d'ailleurs accumulée dans la caisse des dépôts, en grande partie, depuis 200 ans. Mais elle est aussi une machine fantastique à repérer des innovations. Bah, finalement, dans des pays, la France est très vulnérable, hein, évidemment, on, on le sait, euh, et doit s'adapter très rapidement au changement climatique et à la biodiversité, beaucoup plus qu'on ne le croit. Mais il y a des pays, euh, on travaille en Inde, on travaille en Afrique de l'Ouest, on travaille en Afrique centrale. J'étais à Garoua, au Cameroun, encore avant-hier. Qui vont, vivre, qui vont vivre à 50 degrés, et qui vont vivre avec une pénurie en eau, vous en avez parlé, bien plus vite, de façon beaucoup plus brutale encore que la France. Donc ça veut dire aussi que ces gens vont innover, ces gens vont trouver des solutions, et on va investir pour les accompagner dans la découverte de ces solutions. Et je pense que ces solutions sont intéressantes pour notre propre transformation ici en France. Donc je vous en prie, poussez l'AFD à ramener un maximum de connaissances. De, de... Et encore une fois, l'AFD, c'est un instrument technique, c'est une maison d'ingénieurs, de financiers, qu'elle documente finalement ce qui se passe d'intéressant, d'utile dans le reste du monde. Et donc, donc peut-être là aussi pour M. Bartès, c'est ça l'intérêt pour les contribuables français, c'est ça l'intérêt pour nos concitoyens, qu'on qu 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 ramène euh, cette expérience et qu'on la diffuse, y compris euh, échanger sur les technologies ou les modes de gouvernance, où le champ est très très vaste des réponses que nous devons euh, apporter. Euh, Gilles, peut-être je te laisse euh, compléter. Je relis mes notes en attendant. Merci, euh, merci Rémi, merci à, à vous toutes et tous pour euh pour les questions, je vais me concentrer peut-être sur le, la COP 15 et puis euh, effectivement euh, euh, ses avancées euh, et comment euh, la France et à travers la France euh, l'AFD euh, peut euh, euh, contribuer à sa mise en œuvre aussi bien euh, aussi bien à l'international dans les outre-mer que sur le, le, le sol français. Euh, vous aviez tous en tête que euh, les il euh, euh, y a une question sur sur les acquis et ses limites, hein, les cibles d'Aichi. La, la, la précédente décade a été une déception en matière d'ambition et de réalisation sur la biodiversité. Euh, sur les 20 cibles d'Aichi, on n'a atteint qu'une, hein, qui était euh, liée aux aires euh, protégées. Par contre, tout ce qui touchait plus structurellement aux transformations. Au verdissement de, de, de l'économie, des sociétés, des territoires, euh, tout cela n'a pas été euh, atteint. Donc la COP15 arrive à, à un moment euh, crucial et, euh, de, euh, de l'opinion de tous les, les spécialistes, c'est une, une avancée extrêmement importante pour les ambitions hein, protéger un tiers de la planète, verdir l'ensemble de l'économie. Demander à l'ensemble des entreprises de rendre des comptes sur leurs impacts, leurs dépendances et les risques liés à la biodiversité. Réduire de moitié l'utilisation des pesticides. S'engager résolument sur l'agroécologie. Etc. Et hein, donc, on est, on est là dans une, 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 un affichage euh, du concert des nations euh, extrêmement ambitieux. Par contre, euh, au niveau effectivement euh, des moyens de mise en œuvre, c'est là où on peut légitimement se poser un certain nombre de questions. C'est qu'on reste euh, malgré tout hein, dans un accord international qui a besoin de se décliner au niveau national de façon extrêmement volontaire, euh, proactive et concrète. Hein, et que là. Euh le 30 par 30, il est global, par exemple, hein, il doit être décliné, évidemment, dans des politiques, euh, des politiques nationales. Donc, euh, peut-être la première, la première réponse, c'est que l'ensemble des acteurs, hein, euh, que ce soit, évidemment, euh, euh, les forces parlementaires, les gouvernements, euh, les, euh, les territoires et les, et les élus euh, locaux, les, les, les associations, euh, la société civile, et évidemment la finance publique, qui est une finance qui est là, en fait, pour obtenir des impacts. Hein, des impacts sociaux et environnementaux qui n'est pas là, qui n'est pas une finance pour obtenir des profits. Hein, donc je pense qu'il faut vraiment faire la distinction quand même fondamentale sur ce, sur ce point-là. Et donc nous, notre but hein, à la l'AFD, depuis déjà pas mal de temps, c'est d'obtenir de la finance climat, 6 milliards par an, et de la finance biodiversité, c'est-à-dire des impacts biodiversité. Et là, il ne s'agit pas seulement, et j'insiste beaucoup là-dessus, hein, de mettre en œuvre les dimensions protection. Hein, qui sont cruciales, puisqu'on a dit qu'on allait protéger un tiers de la planète, mais qu'il fallait le faire d'une façon qui soit malgré tout compatible avec un certain développement et avec la vie. Euh, des sociétés sur ces territoires. Il ne s'agit pas évidemment d'exclure euh, cela, mais aussi et surtout hein, de s'assurer que les choix en matière d'agriculture, en matière d'aménagement, en matière de ville, en matière de gestion de l'eau, en matière de protection des côtes, en matière d'exploitation de, des océans, soient compatibles avec le maintien de la fonction de ces écosystèmes. Voilà, et c'est ça l'enjeu développemental pour l'AFD. Et on le fait évidemment pour nous, et comme l'a dit notre directeur général, on le fait aux côtés de l'ensemble des banques publiques pour s'assurer que ce nouveau cadre un petit peu économique intègre bien le climat et maintenant la biodiversité. Et ça, c'est une série d'outils que l'accord de Kunming Montréal nous, nous, nous permet de, de, de mettre en œuvre en fait. Puisque l'article 15, une question a été posée sur l'article 15, nous dit bien que l'ensemble de la finance doit s'aligner sur les principes qui permettent justement la conservation, la gestion durable et le partage équitable des bénéfices issus de la biodiversité. Hein, donc là-dessus, euh, nous, de façon assez concrète, euh, on, a, euh, on a évidemment euh, un cadre d'exigence de, euh, 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 biodiversité pour absolument ne pas nuire sur aucun des euros euh, que nous investissons euh, ne, ne doit nuire à la biodiversité. Et si effectivement on n'est pas parfait et qu'il y a encore des reliquats de choses qui ne sont pas parfaites, Hein, euh, il, il, il faut euh, absolument jouer de, 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 de force collective pour les, les éliminer euh, progressivement. Je pense qu'on est euh, vraiment euh, en bonne voie. Euh, donc euh, bah, ça veut dire effectivement un screening sur, par exemple, s'assurer qu'aucun projet ne contribue à la déforestation. Hein, donc on a mis une, dans la liste d'exclusion de l'AFD, vous avez par exemple un article... Hein, qui dit que tout projet qui contribue à de la déforestation à travers l'agriculture, à travers euh, un certain nombre d'autres accès, n'est pas finançable. Hein. Euh, etc. Donc vous avez euh, ces, ces exigences qui montent d'un coup avec cette, euh, cette COP15. On va évidemment devoir aussi monter d'un cran les financements à la conservation, financer, euh, financer euh, la protection de 30% de la planète. Euh, on a calculé euh, dans la communauté des bailleurs et des, euh, et des associations de conservation, c'est à peu près 150 milliards par an. On en est très loin, on est à peine à un tiers de ce, de ce montant. Hein. Donc il faut aussi directement mieux financer la protection de la nature. En ce moment, c'est à peu près 0,1% du PIB qui va sur la protection de la nature au niveau mondial. Hein, si je de comparer protection de la nature et entretien de notre maison, hein, ça veut dire que sur sur 1000 euros euh, gagnés sur un salaire, on consacrerait 1 euro entretenir notre maison. Donc c'est juste pas assez. Hein Donc il y a vraiment un effort supplémentaire à faire. Et ça c'est un effort public certes hein, de régulation, mais c'est aussi évidemment un effort privé hein, de l'ensemble de l'économie pour s'assurer euh, que effectivement euh, avant, euh, avant de, de dégager des marges, on s'assure d'un bénéfice environnemental et social euh, euh, suffisant. Euh, voilà. Euh, je dirais. Euh, Est-ce que une question a été posée sur un engagement euh, Suffisamment euh, robuste euh, en matière euh, de des 20 milliards et des 30 milliards euh, des flux euh, nord-sud. Je pense qu'on a euh, besoin évidemment euh, d'ancrer cela euh, de façon concrète dans les lois de finances euh, euh, pour, pour s'assurer qu'effectivement, au niveau français, la FD a les moyens euh, de, 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 le, de le faire. Euh, la, je reviens sur le, la, la dimension. Euh, euh, la dimension euh, alignement, donc on, on est très actif aux côtés euh, du capital privé euh, sur, euh, sur la TNFD et les risques hein, pour s'assurer sa ouais. euh, que euh, euh, le monde privé au niveau global ait une grille pour déclarer ses impacts, ses dépendances sur la biodiversité comme il le fait sur le climat. La France l'a fait dans l'article article 29 de la loi énergie hein, pour un certain nombre de ses entreprises en matière de reporting extra-financier. Euh, cette disposition, un petit peu grâce à notre, notre action aussi hein, dans les négociations, est maintenant, euh, est maintenant appliquée à l'ensemble de la planète. Donc ça, c'est une loi... Euh, c'est le, le cadre mondial, hein, c'est la, la, la cible 15, effectivement. Il faut maintenant la décliner au niveau national. Hein. En France, on est un petit peu précurseur là-dessus. Il va falloir euh, effectivement euh, la. Voilà. Donc, ça, c'est important. Euh, les questions sur l'eau, euh, c'est à peu près. 10... 10% de l'activité de l'AFD concerne l'eau. Et dans cette approche de, de l'eau auprès d'opérateurs, de pays, d'ONG, d'associations, de terroirs, on a une grosse partie qui concerne la gestion intégrée de la ressource en eau, c'est-à-dire vraiment tout faire pour une utilisation rationnelle et, et économe de l'eau. Et puis sur l'érosion côtière, hein, nous avons de nombreux projets dans les, dans les, dans les outre-mer, sur la côte atlantique de l'Afrique, en partenariat avec d'autres bailleurs. Pour lutter, par exemple, euh, euh, à Saint-Louis, mais, euh, mais aussi dans le golfe de Guinée, euh, contre les effets euh, dévastateurs de, de l'érosion côtière. Voilà. Donc, c'est bien une activité qu'on qu prend en compte. On tient évidemment tout, 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 toute documentation tout, sur ce point et de la commission d'évaluation que mentionnait M. Macca qui doit être mise en place. Euh, prochainement auprès de la Cour des comptes, selon les dispositions de la loi, euh, qui permettra de mettre plus d'informations sur euh, les résultats euh, qui ne viendraient pas de l'AFD, qui, qui viendrait d'une source euh, euh, crédible, indépendante, euh, professionnelle euh, là-dessus. Je, je vous propose juste de passer aux questions parce qu'on a on a à la fois des réactions mais aussi des questions. On en a une petite dizaine. Donc, euh, on va commencer par un premier lot de, de questions-réactions, notamment donc Sandrine Lefeur. On prendra la, la réaction d'Emmeric Caron, de la ministre Bateau. Je laisse d'abord la parole à Sandrine Lefeur. Alors, prie. Merci, Monsieur le Président, Messieurs les directeurs, mes chers collègues. Dans le cadre de l'augmentation du soutien des pays du Nord vers les pays du Sud, dont l'absolue justesse et nécessité ont été réaffirmées lors de la dernière COP à Montréal, il est prévu que le soutien de l'AFD double d'ici 2025 et triple d'ici 2030 pour atteindre jusqu'à 30 milliards par an à terme. Euh, pardon, pour atteindre près de 20 milliards de dollars par an et jusqu'à 30 milliards par an à terme. Or, nous savons que l'aide au développement est parfois allouée aux organismes de conseil, de suivi et d'évaluation qui entourent les projets de terrain essentiels à la transition. Si ces strates administratives sont essentielles à la traçabilité de l'aide, elles n'en demeurent pas moins nombreuses, coûteuses et ont tendance à se multiplier. L'écueil à éviter serait que l'augmentation de l'aide au développement ne bénéficie pas réellement aux projets et aux populations dans les pays aidés et à la transition écologique de leur économie. Comment répondez-vous à cet enjeu Avez-vous de la visibilité sur les montants alloués aux projets de terrain Je vous en remercie. Merci monsieur Caron. Merci, Monsieur le Président, et merci euh, Monsieur le Directeur Général pour euh, vos premiers éléments de réponse. Toutefois, vous n'avez pas répondu, me semble-t-il, sur le fond. Vous n'avez pas euh, présenté de pistes concrètes pour résoudre ce paradoxe, ce mariage antinomique entre la finance et la biodiversité, parce que pour sauver le vivant, il faut justement laisser en paix la plus grande partie de ce vivant, ne rien attendre de lui, et surtout pas des bénéfices. Or, dans le système de financement que vous présentez, il y a toujours, au bout du compte, la notion de rentabilité. Vous l'avez dit, l'AFD, certes, il y a une partie de dons, mais ce sont surtout des prêts, des prêts avec des taux d'intérêt, vous l'avez rappelé. Donc l'argent que vous prêtez, vous attendez bien qu'il rapporte. Et euh, je pense que c'est encore plus le cas des institutions privées avec lesquelles vous travaillez, vous l'avez rappelé, qui sont peu connues pour leur altruisme. D'ailleurs, vous l'avez dit vous-même, là, il y a quelques minutes, il faut intégrer de nouveaux critères. À quoi Vous avez dit, à la rentabilité financière. Donc ça, on n'en sort pas. Alors première question, l'AFD, peut-elle quand même... Investir à perte, sciemment. Deuxième question. Imaginons que l'AFD reste tout de même dans une logique financière classique, qui s'appuie donc sur des calculs liés à la valeur marchande du vivant. Quels sont vos outils de mesure, donc pour mesurer la valeur écosystémique des projets que vous soutenez, sachant que pour l'instant ces calculs sont assez imprécis et euh, qu'ils varient en fonction des critères retenus Je vous remercie. Merci. Euh, la parole est à la ministre Bateau. Merci de votre accueil dans la commission, Monsieur le Président. Monsieur le, le Directeur général, je voudrais vous interroger sur un projet qui a assurément une mauvaise note, qui est celui du futur siège de l'AFD. 800 à 900 millions d'euros d'investissement pour un bâtiment de 300 mètres de long et 37 mètres de haut à Austerlitz, 60 000 m2 de bureaux, 150 000 tonnes de béton, 25 000 m2 de surface commerciale, soit l'équivalent de 5 hypermarchés. Autrement dit, un projet climaticide qui va aggraver le phénomène des îlots de chaleur en ville, au moment même où une étude, d'ailleurs, ce matin, publiée par le Lancet, indique que si on plantait plus d'arbres en ville, on éviterait, on éviterait un tiers des morts de la canicule. Ce projet a fait l'objet euh, d'une désapprobation, ou en tout cas de remarques sévères, du Conseil immobilier de l'État, pointant le fait que l'AFD se faisait au travers lui mar marchand de biens. Est-ce que l'alignement. De l'Agence française de développement ne commencerait pas par ne pas aggraver les émissions de gaz à effet de serre pour son propre siège et à utiliser des bâtiments existants. Et enfin, la parole est à Nathalie Bassir. Merci, monsieur le président. Monsieur le directeur général, ma première question sera concernant l'île de La Réunion, dont je suis députée. La Réunion, vous le savez, vise peut-être. Que vous le savez, vise l'autonomie énergétique en 2030. Euh, je voulais savoir s'il était envisageable pour la FD de financer une étude pour évaluer la biomasse solide dans les pays de la zone océan Indien, sachant qu'il est prévu euh, pour 2024 l'importation de pelées du Canada. Une autre question concernant euh, euh, Mayotte et, et les Comores. Vous connaissez les tensions extrêmes entre Mayotte et les Comores, et notamment euh, au regard de la forte immigration euh, illégale. Euh, comment, travaille, comment travaillez-vous aujourd'hui à Mayotte et comment est-ce que vous travaillez euh, aux Comores et que faites-vous euh, au quotidien pour, pour pacifier ces relations et permettre ainsi une situation plus sereine à Mayotte Je vous remercie. Merci et merci beaucoup. Et en sachant que vous allez répondre, mais il y a encore six questions qui viennent par la suite, je vous laisse le soin de répondre à ces questions. Ces <coughs> Alors, pour Madame Lefeur, je ne suis pas certain d'avoir retrouvé mes chiffres. Euh, en fait, on est, on est parti de, sur la, strictement sur la biodiversité. La base, c'est 500 millions qu'on va passer euh, à 1 milliard en 2025. Donc là, on est aujourd'hui, on est sur ce chemin-là, on est à 700, 750 à peu près. Euh, donc c'est ça l'engagement qui a été pris au moment du, du One Planet Summit de janvier 2021. Et ensuite, effectivement, on veut doubler encore ce montant d'ici à, à 2030. Donc, c'est ça l'engagement qui a été pris. Encore une fois, ça, c'est l'engagement strictement sur des projets marqués CAD1, 4 CAD2, 4 selon les marqueurs de, de l'OCDE Biodiversité, sans préjudice, Gilles l'a rappelé, de l'alignement de l'ensemble du portefeuille de l'AFD selon les méthodologies que je vous avais indiquées. Après, vous avez posé une question sur euh, qui est une question euh, forte et toujours présente dans l'action des institutions de développement, qui est est-ce qu'il faut faire de l'aide projet, c'est-à-dire euh, financer des projets précis dont on peut mesurer les impacts euh, et rendre des comptes précis, mais qui, sont néanmoins, qui ne sont néanmoins que des des exemples, finalement, des preuves aussi puissants soient il où est-ce qu'il faut financer des programmes, c'est-à-dire des politiques publiques, et des trajectoires de, de, des, des trajectoires de développement. Donc, on est, on est toujours. Et donc, à un moment, quand même, des institutions qui mettent en œuvre des politiques publiques, sans, sans pouvoir nécessairement aller jusqu'à s'attribuer attribuer au financement, apporter l'impact ultime. De ces politiques publiques Donc je dirais, la réponse, c'est qu'il faut faire les deux. En fait. il, faut, il faut avoir la capacité. Je crois que c'est ça que le gouvernement et le Parlement ont euh, décidé en plaçant encore une fois Expertise France dans le groupe AFD c'est d'essayer d'avoir l'ensemble des instruments. Euh, utiles qui sont des instruments financiers des prêts, des dons, des garanties, on en a parlé, qui sont aussi des instruments non financiers de la recherche sur les trajectoires, de la modélisation, qui sont des instruments d'assistance de, de, technique, de, humain je dirais, et ensuite évidemment d'être dans une logique qui est fondée non pas sur ce que nous souhaitons faire, mais sur la demande, c'est-à-dire il y a une question tout à l'heure, il faut raisonner à l'échelle d'un territoire et non pas dire il faut faire de la santé ou de l'éducation ou autre chose, il faut vraiment comprendre les dynamiques ou l'absence de dynamique dans certains territoires et ensuite mobiliser l'outil ou la combinaison d'outils qui va permettre de débloquer ou d'appuyer les acteurs qui sont nos, nos alliés, enfin qui, qui veulent transformer cette, cette réalité. Peut-être un dernier chiffre sans en abuser. Sachez que le, le groupe AFD, la, la moitié de ses financements passe par les gouvernements euh, des pays où nous travaillons, mais ça veut dire que l'autre moitié en fait, passe directement par d'autres acteurs. Et, et on a même dit que notre priorité, c'était vraiment d'appuyer d'autres acteurs que les gouvernements. Donc d'autres acteurs, ça veut dire les collectivités locales, qu'on finance dès que possible directement, sans demander la garantie du gouvernement central. C'est euh, la société civile, c'est nous qui gérons pour le compte du gouvernement français les, les guichets euh, d'appui à la société civile française qu'on a récemment ouvert à la société civile du Sud, au monde de l'ESS aussi. Donc on veut bien sûr travailler avec tous ces acteurs. Et puis aussi, oui, j'y viendrai, le, le secteur privé, euh, qu'il faut euh, lui aussi euh, inciter, inciter, tra tra transformer. Euh, monsieur Caron, je, je crois qu'on dit un peu... Bon, je n'ai pas dit que toute l'activité de l'AFD et toute la solution à la préservation de la nature va passer par des mécanismes de marché. Enfin, je, je crois même avoir dit très exactement le contraire. Donc, il va y avoir, vous avez raison, des zones à préserver, euh, des intérêts économiques. Et c'est ce que nous faisons déjà en, en finançant. Vous avez vu les chiffres. Euh, encore une fois, Gilles, il, il dirigeait le parc national de Guyane. Donc, on finance partout dans le monde depuis longtemps euh, de la conservation, euh, évidemment. Et on est très lié à toutes les grandes ONG de, de transformation avec lesquelles on, on travaille. Donc, ça, c'est bien des territoires, et c'est ce qu'a dit l'accord de Montréal-Kunming, qui vont être protégés des, des logiques de marché. Après, on pousse, on cherche à organiser, on cherche à clarifier euh, et à rendre de meilleure qualité l'investissement public. Donc oui, ça, c'est euh, l'action des banques publiques de développement. Et puis, et puis nous, nous ne renonçons pas nous, à fixer des incitations. On n'est pas les seuls, il y a aussi les régulateurs pour que le... La finance privée intègre désormais ces dimensions. Donc c'est bien les trois, les trois points, et ça correspond aux différents instruments du groupe AFD. Donc oui, on fait, on fait je dirais, on, fait, on finance à perte, puisqu'on fait des subventions. Et c'est vous d'ailleurs qui nous les attribuez dans les lois de finances, où on va chercher le maximum, on est allé chercher un milliard à Bruxelles l'année dernière, d'argent public, on va voir le, le fonds vert pour le climat, et moi plus j'ai de subventions, plus je suis content. Parce que plus je peux faire les choses les plus difficiles, vous voyez. Donc, euh, mais inversement, je ne peux pas faire plus que ce que vous m'accordez. Ou alors je mettrai l'AFD pour le coup euh, en perte et il faudra la recapitaliser sur son activité financière. Et après, on est... sachez que l'AFD, ce n'est pas une institution lucrative. Son modèle économique n'est pas de faire du profit. Son modèle économique, c'est de payer ses, ses salariés et de couvrir ses risques. Et c'est ça qu'on facture à nos clients dans nos prêts. Donc on ne facture jamais... Une marge d'intérêt enfin ou de ou de profit ça c'est l'AFD et puis oui on a un instrument qui s'appelle Proparco qui est parfois euh, discuté euh, qui lui intervient plus auprès des investisseurs privés du secteur privé d'ailleurs pas les investisseurs français en fait nous le travail de Proparco c'est de travailler avec les entreprises des pays du sud des pays eux-mêmes qui sont parfois Pardonnez-moi, très très loin de nos débats d'aujourd'hui. Et donc euh, il faut bien sûr, euh, vous avez cité cette entreprise, euh, cette entreprise nigériane euh, qui s'appelle euh, EPL, je crois. Euh, euh, ben, ça fait des engrais. Et, alors évidemment, c'est un investissement... Euh, où on suit les meilleurs standards internationaux en matière d'engrais. La guerre en Ukraine, l'agression sur l'Ukraine offre, vous savez, une opportunité maintenant quand même de se poser la question d'autres pratiques agro-écologiques et de sortir de ce qui a été imposé à beaucoup de pays du Sud, en particulier en matière d'engrais. Donc, avoir de l'innovation locale, avoir... En... Je voyais encore... J'étais à... à Dakar, en milieu de semaine dernière, sur ce grand sommet sur l'agriculture. Il y avait le... Le président de l'OCP, par exemple, au Maroc, euh, qui développe des technologies d'engrais différentes, évidemment, de celles qui nous venaient de Russie euh, ou d'Ukraine et qui se diffusaient partout. Donc, je, je, encore une fois, euh, c'est un débat, mais je pense que c'est important que l'AFD n'en sorte pas, en fait, euh, et évidemment qu'on le fasse avec la, la plus grande ambition et plus grande qualité euh, qui se mesure, évidemment, sous votre, euh, sous votre contrôle. Euh, donc on calcule, mais pas que. Et on calcule euh, au, plus, au, plus, au plus juste. Euh, mais enfin, il faut travailler avec les gens qui calculent aussi, je crois, si on veut avoir euh, le maximum d'impact. Euh, pour euh, Madame la Ministre euh, Bateau, euh, alors... D'abord, ce n'est pas l'AFD, évidemment, qui fait construire ce bâtiment. Donc je, je, nous allons acheter l'immobilier de bureaux de ce bâtiment qui va se construire à côté de la gare d'Austerlitz, sur des terrains de la, de la ZAC Paris-Rive-Gauche. C'est l'un des derniers projets, d'ailleurs, de la ZAC Paris-Rive-Gauche. On va, évidemment, faire beaucoup optimiser notre fonctionnement, notre les surfaces occupées par les salariés de l'AFD au passage, donc on va avoir une performance bien meilleure et on va intégrer un bâtiment dont la performance énergétique, environnementale est de bien plus grande qualité que les bâtiments très épars aujourd'hui. On est dispersé sur six sites dans Paris, plus notre site à Marseille, qui... Ont été. Euh, euh, qui sont anciens et qu'il faudrait rénover, donc avec des coûts aussi euh, importants. Je, je précise évidemment qu'il y a eu enquête publique sur ce, cet investissement. Je, je précise que des recours ont été déposés, euh, euh, qui ont été jugés euh, à titre euh, en première instance et maintenant en cassation par le Conseil d'État à la fin de l'année dernière, et que donc, effectivement, j'ai pu signer la vente en état futur d'achèvement, à la fin de l'année dernière, de ce nouveau siège. On a, dans cette discussion, d'ailleurs, obtenu des avancées de la part du, du promoteur immobilier. Ça va libérer aussi beaucoup d'espaces verts dans ce quartier, qui sont aujourd'hui très peu utilisés. C'est entre la, la Pitié-Salpêtrière, le Jardin des Plantes et la gare. Et la, et la gare d'Austerlitz, il y aura la plus grande ferme photovoltaïque sur les toits de ce bâtiment de Paris, et bien sûr, le, la construction respecte tous les, tous les standards les plus élevés en matière de construction aujourd'hui sur le marché immobilier. Après, vous, pouvez, vous posez une autre question plus fondamentale. Moi, mon fils fait des études d'architecte, donc j'en parle avec lui à la maison toute la journée, avec cette génération de, 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 de nos, nos, nos enfants. Euh, qui est, est-ce qu'il faut arrêter de construire euh, et euh, rénover uniquement les bâtiments existants bon. C'est un, un débat qui dépasse un tout petit peu euh, cette acquisition. Sachez aussi, dernier point, qu'on on le fait. Euh, donc, voyez, moi, ce qui me fascine, c'est qu'est-ce que ça veut dire. Je, je sors du débat hein, sur le, la construction, mais qu'est-ce que ça veut dire de mettre l'AFD, avec, j'espère, vous en avoir convaincu, le, engage, son engagement, la qualité de ce qu'elle fait, à côté du, du Muséum national d'histoire naturelle, où, où se trouve évidemment le. Le plus grand herbier du monde, la maison de Théodore Monod, la maison du climat et de la biodiversité. Comment ces deux établissements publics, avec aussi quand même la Pitié-Salpêtrière où on a soigné les premiers patients du Covid, où il y a le centre de maladies tropicales de l'assistance publique des hôpitaux de Paris, à côté de deux universités, comment on pourrait faire de ce quartier de, de Paris, pour le coup, vraiment un quartier développement durable et ou des acteurs. Euh, on va d'ailleurs accueillir des gens, hein, on va optimiser encore une fois les mètres carrés au, au, au maximum, pourraient venir se retrouver pour euh, débattre et échanger et agir hein, sur ces questions de, euh, de développement durable. Euh, sur euh, votre question, Madame, sur la réunion elle est très intéressante. On se l'est posée d'ailleurs, euh, vous le savez, euh, récemment sur euh, une question de biomasse, très précisément. Euh, et euh, on, on a finalement approuvé cet investissement après de, de longs débats, hein, il faut bien le dire, internes. Vous, tous les investissements de l'AFD, par exemple, je, je reviens pour M. Maquet, vous savez, passer à un moment par son conseil d'administration, donc il y, y a une très très grande transparence. c'est pas moi qui décide des investissements de l'AFD. Hein, tout ça est dans un cadre très 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 très, très collectif. Euh, euh, on a effectivement ce problème que la biomasse aujourd'hui vient de trop loin. Donc les pelets, euh, parfois, font un long trajet, comme tellement de chaînes de valeur dans le monde. Je pense que l'intérêt de raisonner à l'échelle avec l'AFD, c'est que, bah, vous voyez, l'AFD, elle travaille, elle investit à La Réunion, mais elle travaille aussi, euh, j'en parlais d'ailleurs euh, ce matin même sur la question des déchets dangereux, elle travaille aussi en Afrique australe. Et donc, vous voyez, en revanche, on pourrait peut-être essayer d'imaginer des chaînes de valeur où on aurait une gestion raisonnée de forêts euh, en Afrique australe. Et du coup, en réduisant considérablement la distance pour euh, alimenter cet euh, investissement d'Albioma, cette usine de biomasse. Parce que euh, on, je vois bien la discussion en ce moment sur la biomasse, mais euh, est-ce qu'on veut vraiment se priver de la biomasse euh, pour cette raison peut-être conjoncturelle dans la transition énergétique dans laquelle nous sommes tous engagés, qui doit pousser évidemment l'énergie renouvelable. Donc là, soyez sûr qu'à l'AFD, il y a un grand débat, les gens ne sont pas tous d'accord, il y a des gens qui, qui suivent très attentivement les débats précisément sur, sur la biomasse, et on va essayer pourquoi pas de faire de la réunion, j'aimerais beaucoup un, un exemple finalement de ce que pourrait être une, une biomasse tout à fait durable en fait hein encore une fois là, je crois que malheureusement on en est arrivé à la conclusion qu'on n'avait certainement pas encore la, la réponse et la vérité euh, sur ce sujet là donc le rôle de l'afd c'est aussi de prendre ce risque euh, d'investir et de voir comment ensuite euh, optimiser, euh, optimiser ces débats Mayotte Comore, c'est une autre sujet euh, mais vous avez c'est un peu le même sujet en ce sens que l'afd habite à Mayotte euh, et habite euh, aux Comores depuis toujours et donc on est probablement l'institution qui voit euh, ces enjeux de l'archipel finalement euh, et les tensions très fortes qui y sont euh, euh, de façon très complète. On en est très conscient. Et évidemment, on, on était conscient, et je l'avais dit d'ailleurs quand j'ai pris mes fonctions en 2016, de l'incroyable quand même l'écart d'investissement. Puisqu'en 2016, la FD investissait dix fois plus à Mayotte qu'aux Comores. Alors, on investit toujours à Mayotte et on investit plus encore qu'en 2016 à Mayotte, mais le gouvernement nous a demandé de gérer un plan de développement France-Comore dans lequel on a investi ces dernières années 150 millions d'euros pour ben, permettre aux Comoriennes et aux Comoriens d'avoir des services de santé, d'avoir de la formation et de réduire probablement les risques que les kwasa traversent. Enfin, bon, en jouant, c'est à vue hein, de, de Mayotte. Donc, euh, je ne dis pas que l'action de l'AFD et le développement des Comores sera la seule réponse, euh, évidemment. Mais je, je, je crois qu'on est engagé dans un effort pour réduire euh, l'écart de tension, en fait, enfin, l'écart de pression, disons, et les engagements financiers, et euh, en espérant apporter un élément parmi d'autres de réponse à cette crise dont on est très conscient. Merci. Nous continuons donc nos questions. La parole est à Daniel Brulbois. Micro. Merci, Monsieur le Président, Monsieur le directeur général, Monsieur le directeur exécutif, merci pour votre éclairage et merci surtout pour les actions que vous menez à nos côtés, aux côtés de la France, pour le développement et la solidarité internationale. Je voudrais vous interroger sur l'évaluation. Vous l'avez dit, l'évaluation est un outil performant et important d'amélioration de l'action. Vous publiez des rapports biannuels, mais je suppose que l'évaluation était quand même un exercice difficile pour vous étant donné que comme vous l'avez dit, vous avez de multiples opérateurs qui mettent en musique les milliards d'euros que nous vous accordons. Et donc, euh, certains sont indépendants, comme vous l'avez dit, Proparco, par exemple, est un opérateur autonome. Donc, euh, donc comment, euh, comment euh, pouvez-vous euh, améliorer l'évaluation J'entends pas en étude ou en rapport, mais en impact direct et véritable sur le terrain. Merci, chers collègues. La parole est à Nicolas Dragon. <laughs> Merci, euh, Monsieur le Président. Mes chers collègues, monsieur le directeur général. Euh, je sais que vous avez en partie répondu, mais je vais le redire quand même. Est-ce que vous pouvez expliquer devant la représentation nationale que l'agence que vous dirigez aurait permis de financer des projets en totale contradiction avec les objectifs affichés de l'AFD? Euh, J'ai à l'esprit la production intensive de fleurs au Kenya euh, ou encore le financement d'exploitation d'huile de palme notamment en République démocratique du Congo, où 30 millions d'euros y ont été investis dans une usine dont on sait que cette culture participe largement à la déforestation. Rappelons que depuis 2013 et le vote de la loi d'orientation sur le développement et la solidarité internationale, l'aide publique de la France est censée promouvoir, je cite, un développement durable dans les pays en développement. Alors pouvez-vous dire ou redire devant les députés de la commission développement durable que ces pratiques sont terminées. Je vous remercie. La parole est à Emmanuel Dehéry. Merci Monsieur le Président, Monsieur le Directeur. Je vais vous dire comme je le pense, j'ai l'impression d'un tabou vis-à-vis -vis de nos, nos territoires ultramarins. Euh, vos réponses sont un peu diluées finalement par rapport au fonctionnement du, de l'AFD, au fonctionnement qu'on comprend, qu'on connaît. Euh, J'entends que vous appliquez la loi, mais je rappelle quelques chiffres. En matière d'assainissement, 56% des eaux douces sont de bonne qualité en métropole, mais seulement 12 en Guyane, 23% en Guadeloupe, 42% en Martinique. 5% des Guyanais n'ont pas accès à l'eau potable et les coupures d'eau sont quotidiennes en Guadeloupe. Euh, moi je. Loin d'être une question, plutôt une affirmation, je pense qu'il va falloir repenser et légiférer, parce qu'au euh, moment où nos compatriotes et le territoire national est en souffrance... On va servir des pays dans d'autres thématiques, je, je l'entends, euh, notamment la Chine, par exemple. Euh, donc je pense qu'il faut légiférer sur ce, sur, sur ce sujet qui est hautement important et faire de la France une priorité euh, des financements de l'AFD. Merci. La parole est à Anne Stenbach, Terre Noire. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le Directeur Général, vous avez qualifié l'accord de Montréal d'historique, euh, au même titre que l'accord de Paris. Or, que ce soit pour la réduction de la pollution plastique ou la fin de l'extinction des espèces menacées par les activités humaines, par exemple, les objectifs ne sont ni datés ni chiffrés. Et quand on a une date, c'est un horizon 2050. La sixième extinction de masse, c'est maintenant. Hein, donc, nous n'avons plus le temps pour des accords non contraignants. Et tout historique qu'ils soient, ils ne servent à rien s'ils ne sont pas effectifs. D'ailleurs, à ce jour, la France elle-même ne respecte pas les accords de Paris. Autre exemple, dans les aires marines protégées, les activités industrielles ne sont pas interdites, mais simplement limitées, et les techniques de pêche intensive sont permises. Alors question, de quoi sont-elles protégées On nous annonce des océans vides pour 2050. Qu'est-ce qu'on attend Et d'ailleurs, d'après certaines ONG, les représentants d'Emmanuel Macron auraient tout fait pour éviter que l'objectif de 30% d'air protégé inclut des critères qualitatifs pardon, et contraignants. Si c'est vrai, c'est non seulement irresponsable, mais criminel. Bref, je ne vois pas comment nous satisfaire de cet accord, mais puisque je, donc, je vois euh, enthousiasme, je voudrais savoir quels engagements utiles on peut attendre du futur sommet de Paris, par exemple. Merci. Merci. La parole est à Pierre Vatan. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le Directeur Général, l'AFD consacre 6 milliards d'euros par an à l'Afrique, dont les trois quarts sous forme de dons. Pourtant, jamais notre pays n'a semblé aussi isolé dans ses anciennes colonies. Faites-vous ce même constat à l'AFD L'enjeu de la biodiversité n'est-il pas l'occasion de nous relancer sur ce continent, liant aide au développement économique et présence française, plutôt que la Chine, la Russie ou des agences étrangères qui ont d'autres objectifs Par ailleurs, en 2003, le champ d'action de l'AFD s'est étendu à des pays émergents comme la Chine ou la Turquie, puis le Brésil, l'Inde, l'Indonésie, le Pakistan en 2006, l'Amérique latine en 2009. Depuis, ces pays ont bien grandi. L'un d'eux est même devenu la première puissance économique du monde. N'est-il pas temps de cesser certains financements pour se recentrer sur des pays qui souffrent davantage de la pauvreté, ce qui est la raison d'être de l'AFD Enfin, les aides que nous apportons à la Chine sont souvent mal comprises de nos concitoyens, d'autant que ce pays est à la fois bénéficiaire et financeur de nos prêts à travers les obligations qu'il achète à l'AFD. Avons-nous, à travers nos investissements, un réel impact sur la politique chinoise en matière de biodiversité et sur leur choix, par exemple, de recourir ou non à des centrales à charbon Je vous remercie. Merci, chers collègues. Je crois que c'était la dernière question. Est-ce que tous les collègues ont pu s'exprimer Il me semble que oui. Je vous laisse le soin de répondre à ces questions. Merci, Monsieur le Président, euh, pour. Euh... Madame Brullebois, donc euh, évidemment euh, la, la question de l'évaluation euh, de l'action de développement et de l'action de, de votre agence est, est un sujet majeur. Elle est, elle, est, elle est très structurée. On a un département de l'évaluation à l'AFD qui, qui est à votre disposition. Euh, trois niveaux d'évaluation, évidemment des, systématiquement des, des rapports de fin de projet. Euh, étant entendu que l'évaluation suppose deux choses c'est à dire elle suppose de fixer des objectifs exsantés au moment du projet de telle sorte qu'on puisse vérifier ex post si ces objectifs ont été atteints il ne s'agit pas juste de mesurer les objectifs à la fin il s'agit de, de vérifier la cohérence entre les deux donc ça on euh, on, on, le, on le fait bien sûr dans notre action et puis après on a, ça, ça c'est les équipes elles-mêmes et puis après on a des, évidemment un grand nombre d'évaluations externes euh, indépendantes qui sont faites par des des, des, des consultants qui peuvent être soit des évaluations de projets spécifiques, soit des évaluations de grappes de projets. Et on a même le troisième stade, c'est ce qu'on appelle des évaluations scientifiques d'impact, où là, on fait travailler même, là des, cette fois, des, des universités, des, des chercheurs. Évidemment, ça, c'est beaucoup plus coûteux. Donc, on en fait de moins nombreux. Ça, c'est ce que fait, je dirais. Et on a un comité des évaluations qui rapporte devant notre conseil d'administration sur la méthodologie et où on en est. Qu'on envisage d'ailleurs de, de transformer encore pour aller plus loin encore vers les impacts. Ça, c'est sur la partie interne. Évidemment, tous ces travaux sont publics, sont en ligne sur le site de l'AFD. Pour vous dire un peu le fond de ma pensée, je trouve malheureusement que très peu de gens s'en saisissent. Donc moi, je, je, je souhaite, j'appelle euh, à ce que ces évaluations mises en ligne soient lues et fassent l'objet de débats. Euh, parce que parfois, vous savez, dans le monde du développement, c est, c est, ce qui est assez compliqué, c'est que soit les gens disent tout est parfait, euh, soit les gens disent... Euh, c'est de la corruption, tout ce qu'on fait, c'est de la corruption. Donc euh, moi j'appelle à ce qu'on hein, qu'on occupe l'espace intermédiaire, qui est que oui, c'est un métier très difficile, parfois dans les territoires les plus difficiles du monde, euh, et où on fait le maximum pour avoir le plus d'impact. Et, 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 et je crois qu'on y arrive, mais euh, ça s'appelle là aussi. Et, do et donc je, je reviens sur cette commission indépendante d'évaluation, qui est une avancée majeure de, de la loi du 4 août 2021. Ça va être... Moi, je, je enfin, c'est pas à moi de dire si je suis d'accord ou pas, c'est la loi. Mais moi, j'ai toujours été très favorable à ce qu'il y ait... Euh, moi, je suis magistrat de la Cour des comptes, donc je ne peux, euh, peux pas ne pas considérer l'importance de livrer des informations vérifiées, indépendantes, sérieuses, chiffrées dans le débat public. Et, et si parfois, elle, elle va nous aider, elle va aider aussi à pousser l'agence à aller plus loin encore, hein, je pense, dans... Euh, la qualité de ces projets. Donc tout ça, ça fait un ensemble, je crois, qui est en train de se structurer euh, et qui va être très important. Vos, vos collègues du Sénat, d'ailleurs, euh, sont aussi très attentifs à ce point. Donc il y a certainement, en tout cas moi, je, je, je le souhaite euh, beaucoup plus. Et euh, soyez, n'ayez Enfin, moi, je suis le président du conseil d'administration de Proparco. Proparco est une filiale à, aux deux tiers de l'AFD, donc Proparco n'est pas autonome. Enfin, non, une, elle a une forme juridique, euh, mais elle suit in fine euh, la stratégie qui est fixée euh, par l'État pour le groupe AFD dans ces, les trois composantes que je vous, vous, vous décrivais. Euh, Monsieur Dragon, non, je ne dirais pas que l'AFD finance des projets en, en totale contradiction avec ses objectifs, pas du tout, je, je dirais même très exactement le contraire. Évidemment, l'AFD finance euh, des projets qui sont conformes aux objectifs qui lui sont fixés. Euh, par son actionnaire et par euh, les pouvoirs publics. Il se trouve que ces objectifs changent et, et évoluent dans le temps, dans le sens, je crois, euh, que nous souhaitons tous, euh, de plus de qualité, de plus d'exigence. Donc euh, euh, la loi du 4 août 2021 est un moment très important, euh, qui a redéfini notre mandat, son exigence, le, les investissements. Il faudrait rentrer dans le détail, je n'ai pas le temps ici, mais on peut vous apporter évidemment... Euh, tous les éléments de réponse. Les investissements que vous mentionnez sont évidemment antérieurs à la redéfinition et du, du, du mandat. Et au moment où ces investissements ont été décidés, ils ont suivi bien sûr les procédures de l'agence. Et euh, en notre âme et conscience, nous avons jugé qu'il euh, qu était important de les, de les financer. Il se trouve qu'à cette époque, parfois lointaine, hein, je dirais la pondération entre lutte contre la pauvreté, développement, au sens où on l'entend historiquement et euh, environnement, développement durable, n'était pas la même. Mais je dirais, elle n'était pas la même dans notre action internationale comme elle n'était pas la même dans nos propres investissements dans notre propre pays. Donc, donc non, non, je, bien sûr que la FD respecte son mandat et les procédures. Simplement euh, c'est une institution et le cadre politique lui-même évolue, je crois, dans le bon sens, euh, progressivement. Monsieur Blény, aucun tabou, euh, Outre-mer, évidemment. Euh, euh, recentrer l'AFD sur la France, ça me paraît un peu contradictoire, toutefois, avec la mission elle-même de l'AFD fixée par la loi du 4 août 2021, puisque nous sommes l'institution de financement international de la France. Donc euh, euh, nous n'avons pas de mandat, par exemple, en métropole. Hein, ça, c'est le travail de la Caisse dépôt. Il se trouve que la zone, euh, qui est fascinante de mon point de vue d'ailleurs, hein, où nous travaillons en France. Euh, ce sont les Outre-mer français. Et soyez certains que nous faisons le maximum de ce que nous pouvons faire dans les outre-mer français. C'est notre histoire. Depuis 1941, on y est attaché. On, a tout, donc on vit là-bas. On a de nombreuses équipes. Quand il y a une crise outre-mer, d'ailleurs, on fait des financements d'urgence parfois. On est, on est vraiment aux côtés de nos compatriotes ultramarins. Mais on le fait aussi avec la caractéristique de l'AFD, c'est je vous le disais euh, dans mon intervention liminaire, nous on travaille aussi euh, chez les voisins. Donc on travaille à Mayotte, mais on travaille aussi aux Comores. Euh, on travaille en Guyane, mais on travaille aussi au Brésil. Euh, on travaille, euh, euh, j'étais récemment en Nouvelle-Calédonie, mais on travaille aussi à, à Fidji ou à Vanuatu, en, en Papouasie-Nouvelle-Guinée. Euh, et donc on peut, je pense, euh, pour. Euh, 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 renforcer, investir encore dans cette qualité extraordinaire qu'ont nos territoires ultramarins, qui est de, évidemment de bénéficier de l'ensemble des outils et des compétences de notre propre système institutionnel financier. Mais d'être aussi dans des enjeux, notamment de biodiversité, qui sont ceux des pays voisins. Vous voyez donc il y a un trésor là. Et, et nous, euh, les, les agents de l'AFD, on est très attachés à notre activité ultramarine, notamment parce qu'elle nous permet de connaître les institutions françaises. Vous voyez, les, les spécialistes de la santé à l'AFD, ils savent ce que c'est qu'un CHU euh, en France, comment, que, comment ça fonctionne de l'intérieur, comment c'est financé. Et donc quand ils vont euh, investir dans des programmes de santé, dans les pays voisins ou ailleurs dans le monde, ils ont en tête notre propre système institutionnel, notre propre capacité. Et ça, je pense que c'est très important, très utile pour créer des liens euh, entre euh, bah, finalement les politiques de santé euh, des différents pays du monde, et encore une fois ramener, cette, ramener cet euh, enseignement, ces leçons, euh, ces innovations. Pour notre propre profit, notre propre bénéfice. Donc, l'institution, la Banque publique de développement qui investit en France, euh, si je mets l'Outre-mer de côté, c'est la Caisse des dépôts et consignations, notre grande sœur. Et la Caisse des dépôts, elle c'est 1300 milliards de bilans. Hein, donc, c'est quelque chose de. de L'AFD, c'est 60 milliards de bilans. Hein, donc, on ne parle pas du même instrument financier. Euh, et l'AFD, c'est la... Vous savez, autrefois on disait la grande caisse et la petite caisse, parce qu'on s'appelait la, la caisse française de développement. Ben, nous, on est l'instrument euh, qui crée du lien positif avec le, le reste du monde. Y compris, alors je, je reviens à votre point, euh, y compris des pays émergents, comme vous, à nouveau vous, vous l'avez voté et vous l'avez demandé dans, dans la loi du 4 août 2021. Et s'agissant de... On peut avoir un long débat sur la Chine. Hein, le, le, la question a été posée aussi par vous, euh, monsieur le député. Moi, je... Et, et, et encore une fois, on est prêt à rendre des comptes et, et à venir s'expliquer. Moi, j'ai vu des projets en Chine sur la gestion de la biodiversité qui sont d'une très grande qualité. Ou d'ailleurs, nos interlocuteurs chinois, vous savez, la loi chinoise sur la biodiversité, en fait, s'est inspirée très très directement de la loi française sur les parcs nationaux. Moi, j'ai eu des échanges avec des partenaires chinois qui m'ont expliqué que, en fait, m'ont expliqué la loi française. Ils m'ont fait titre 1, article 1, article 2, ça, ça a duré un petit moment. Ils avaient un PowerPoint, ils m'ont expliqué la loi française sur les parcs nationaux. Et ils m'ont dit, vous savez, on a, on a bien regardé, parce qu'ils sont comme ça, les Chinois, on a regardé dans tous les pays du monde les législations sur la protection de la biodiversité. Les Américains, ils nous parlent tout le temps de leurs national parks, tout ça. En fait, moi je peux vous dire, la meilleure loi au monde, c'est la loi française. Donc, grâce à vous, AFD, alors on était dans un parc, le parc de Xiangxi, je crois. Euh, en plus, on a créé un lien avec le parc national du Ballon des Vosges. Donc, euh, ils travaillent ensemble, parc régional, pardon. Euh, et il se trouve que les autorités chinoises, en tout cas c'est ce qu'on m'a expliqué, ils ont pris la loi française, ils l'ont évidemment adaptée à leur environnement, leur cadre politique, parce que c'était celle qui conciliait le mieux, finalement, intérêt des populations, intérêt économique et protection de la nature. Donc, et après, vous savez comment ça se passe en Chine, hein. vous, faites un, vous faites un projet qui réussit, et on en a fait beaucoup sur la biodiversité, hein. les, les zones humides, les villes éponges, euh, les patrimoines naturels, patrimoines naturel, patrimoine culturels. Vous faites ça, l'année d'après, euh, vous avez euh, 30 projets dans tout le pays, en fait. Ils ont une capacité de. De, de réplication, euh, d'expérience de développement, de développement durable qui fonctionne, qui est extrêmement rapide et puissante. Ça, je l'ai constaté. Donc, euh, encore une fois, je, nous, on est une toute petite chose dans la relation euh, géopolitique entre euh, la France, l'Europe, euh, les États-Unis, la Chine. Donc, je ne je, je veux, enfin, je, je veux pas surpondérer ce que je vous dis là. La, 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 ce que je me soumets à votre examen, c'est est-ce que. Ces actions que nous faisons en Chine, encore une fois, sans un euro du contribuable. Vous, vous l'avez dit, monsieur, c'est les Chinois qui achètent des obligations de l'AFD, en fait. Euh, et nous prêtons. Euh, Est-ce que, est -ce que ces actions sont utiles à la France C'est ça la question que je vous pose. Moi, j'ai la faiblesse de penser qu'elles le sont et qu'elles contribuent à un dialogue positif. Et quand je vous dis la Chine, on pourrait parler du Mexique, on pourrait parler du Brésil, on pourrait parler de l'Indonésie. On pourrait parler de l'Inde, enfin je, là où je parle des grands émergents, qui ne sont pas évidemment les pays les plus pauvres du monde, mais qui ont des enjeux de biodiversité et de climat gigantesques, très complexes, qui cherchent un dialogue technique, financier avec la France, et où se joue quand même une partie de. La trajectoire de l'Inde et la Chine, c'est quand même là que se joue l'avenir du monde. Enfin, il faut dire les choses comme elles sont. La décarbonation de l'économie indienne et de l'économie chinoise, la trajectoire de développement qu'ils vont prendre. S'ils suivent la nôtre, euh, c'est un très 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 gros problème pour les Français. S'ils arrivent à l'infléchir, encore une fois, c'est n'est pas l'AFD qui va faire ça, c'est les, les Indiens et les Indonésiens, et leur politique et leur délibération. Mais si on peut avoir une toute petite influence sur une trajectoire de, qui est plus conforme aux objectifs de développement durable de ces grands pays émergents, je, je crois qu'il faut tenter le coup, il faut essayer. Donc voilà, pardon, je, je prends un peu de temps, c'est. Euh, euh, je, je te passe juste la parole après euh, euh, sur euh, bon madame, madame Steinbach je crois que votre question portait plus s'adressait plus au gouvernement qu'à l'agence française de développement donc vous, vous me permettrez de euh, de, ne, de ne pas intervenir sur ce débat qui est de nature euh, plus politique monsieur je crois et sur les politiques publiques en France qui sont, comme on vient de le dire ne sont pas notre domaine d'intervention et s'agissant de, de l'Afrique, euh, je crois que sur la Chine, je, je, je vous ai répondu, monsieur le député, s'agissant de l'Afrique, je, je suis tout à fait d'accord avec vous, je crois que le, les questions de biodiversité, les questions de développement durable plus largement sont la matrice euh, d'une nouvelle relation et d'un nouveau récit finalement. Et quand je vous disais au début de mon propos que euh, l'aide publique au développement, ce vieux cadre euh, né des indépendances africaines, euh, avait vécu, je crois, euh, c'est que ce récit-là, le récit qui s'attache à l'aide publique au développement et à la notion d'aide, d'ailleurs, d'une façon générale, est aujourd'hui rejeté par euh, ses, bénéfi <laughs> ses bénéficiaires eux-mêmes, ce qui est assez injuste. Hein, euh, parce que c'est la solidarité, c'est la générosité des Français et des institutions qui les servent. Mais je, je crois que dans ce nouveau, nouveau narratif, nouveau récit qui est derrière les objectifs de développement durable, qui est finalement de dire à ces pays, nous avons tous une transformation à réaliser en partant de points de départ qui sont différents. Votre expérience de développement durable nous intéresse en France, au point même que nous sommes prêts, via l'Agence française de développement, à investir dans votre transformation. Je pense que ce récit-là, en tout cas, c'est celui que je, je m'efforce de porter. Et moi, je me présente toujours en disant que je suis l'allié de la Caisse des dépôts et consignations. Donc, je peux vous expliquer comment nous avons financé notre propre développement en France, notre propre développement durable. Je sens qu'il y a là quelque chose qui, je l'espère, va permettre de, de renouveler, de renforcer peut-être des liens qui sont aujourd'hui en débat, en question. Vous l'avez indiqué. Ça, ça passe aussi par. Là, je suis peut-être un peu général, ça passe aussi par des... Peut-être, Gilles, tu peux dire un mot, par des actions très contraintes... Très contraintes, concrètes, pardon. Ce qu'on fait sur la Grande Muraille Verte, ce qu'on fait... Moi, j'étais allé à Saint-Louis... Euh, aller sur la langue de barbarie de la ville de Saint-Louis. Quand, quand on y est allé il y a 4 ans, euh, les pêcheurs, euh, leur maison était emportée par la marée. Hein. Allez-y aujourd'hui, vous verrez, euh, les investissements que nous avons faits pour construire cette digue euh, ont, sauvé la, ont sauvé, pour l'instant, du moins, la langue de barbarie dans ce site extraordinaire qui est la ville de Saint-Louis euh, au Sénégal. Donc quand on voit ça. Euh, et qu'on parle océan, qu'on parle érosion côtière avec nos interlocuteurs, nos amis sénégalais, ben on, est, on est fiers de, de, de ce travail qu'on a fait en, en commun. Gilles, tu voulais répondre sur l'eau Je euh, voulais simplement. Monsieur le député, sur le, les questions de mise aux normes des installations euh, eau euh, en outre-mer, hein, vous. vous... Vous, vous indiquez qu'on est, on est pleinement engagé sur ce, sur ce dossier auprès des autorités, euh, en bailleur des municipalités et des, des collectivités. Hein, au point où on a un programme qu'on finance de mise aux normes des, euh, de aux normes des installations d'assainissement en particulier, et parfois d'adduction en eau potable, euh, sur la Martinique, sur la Guadeloupe, sur, euh, sur la Guyane, avec euh, des limites qui ne sont pas celles du financement en fait, qui sont beaucoup euh, des limites liées à la capacité euh, des, euh, des municipalités à mettre en œuvre cet argent euh, public, mais qui est là. Et du coup, on a mis en place avec les préfets hein, des expérimentations sur comment apporter de l'ingénierie publique hein, pour aider les municipalités euh, à mettre en œuvre effectivement les opérations techniques nécessaires à la mise aux normes. Donc euh, c'est une activité euh, qui nous occupe beaucoup à l'outre-mer, qui n'est pas concurrente de ce qu'on fait euh, à l'étranger. Hein, c'est en plus, hein, bien évidemment, euh, et ça s'intègre dans à peu près hein, les, les 15%, 15 en gros d'activités euh, outre-mer de l'AFD. Euh, cette mise aux normes, cette mise en, 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 en œuvre très concrète euh, des lois de la République, elle nous occupe, euh, elle nous occupe directement, hein, euh, très clairement. Alors on peut regretter que ce ne soit pas assez... Hein, on peut regretter qu'il y a un vrai effort à faire en matière de capacité de mise en œuvre et d'application à l'échelle des collectivités, ça c'est clair. Hein, mais on y répond en étant, comme vous l'a dit le directeur général, non seulement une banque, mais aussi une agence technique. Donc on apporte aussi la capacité à faire auprès des, auprès des équipes municipales ou, ou, ou territoriales. Et, et, et j'espère vous avoir convaincu. Je pense qu'il ne faut, il faut, il faut pas, euh, dans le fonctionnement financier de l'agence, il faut, il faut pas opposer les, les pays ou les territoires. C'est vrai s'agissant des ressources en subvention. C'est-à-dire les, les, les moyens que vous votez dans la loi de finances, il faut les allouer, parce qu'ils ne sont, euh, sont pas extensibles à l'infini, évidemment. Et d'ailleurs, euh, le, le ministère de l'Outre-mer, désormais, nous confie, euh, c'est nouveau depuis quelques années, quelques moyens en subvention. Donc on est très heureux de ça, ça nous permet de faire les interventions, notamment de, de renforcement des institutions, des, des, des maîtrises d'ouvrage, dont Gilles vient de parler. Donc ça, c'est un débat, finalement. Où est-ce qu'on met, vous l'avez soulevé d'ailleurs, monsieur le député, où est-ce qu'on met ces ressources en subvention euh, En revanche, quand nous jouons notre rôle de banque, de banque de développement, c'est-à-dire quand on fait des prêts, fussent-ils des prêts à taux réduits ou à taux quasi zéro, là, je dirais, c est, c est, on ne fait pas Moins dans un pays ou dans un territoire parce qu'on ferait plus ailleurs. En fait, là, vous savez, la, la limite qui prévaut, c'est celle que fixe la Banque de France, la, la CPR, qui est une, un plafond, ce qu'on appelle les, le plafond de solvabilité, et la limite grand risque, qui fait que vous n'avez pas le droit d'exposer plus de 25 de vos fonds propres sur un seul client. Donc, c'est plutôt ça qui vient. Euh, le cas échéant, limiter notre capacité financière. Mais c'est pas parce qu'on aurait fait plus en Colombie euh, et moins en Indonésie, en fait. Euh, là, en fait, on peut monter jusqu'à notre plafond des grands risques. Donc, euh, et, et par ailleurs, d'une certaine façon, pour une banque, à diversifier un peu ses clients, c'est une façon aussi de gérer et de diversifier ses risques aussi et sa capacité, le risque éventuellement de ne pas être remboursé. Écoutez. Pour conclure, un très grand merci pour euh, les précisions, les réponses qui ont été euh, apportées. Je crois que vous avez vu au travers du nombre de questions qui ont été posées l'intérêt des euh, députés pour euh, non seulement euh, l'agence française de développement, mais leur volonté de donner suite aux accords de COP15. Euh, on sera bien entendu très intéressé par vos travaux. N'hésitez pas à nous les partager. Et puis, je, si vous le permettez, je partagerai votre PowerPoint aussi à l'ensemble. Des collègues, vous vouliez dire un, un petit mot Non, je voulais bien sûr, Monsieur le Président, vous remercier et remercier euh, mesdames et messieurs les députés pour euh, euh, votre invitation et puis je, je crois le, le, la qualité de la richesse de cet échange qui, encore une fois, nous, nous est très important pour nous hein, de vous entendre, de, de prendre les questions, de voir aussi là où on doit apporter des précisions et c'est notre, évidemment notre responsabilité. Au-delà du PowerPoint, on a évidemment, vous a amené les... nos, 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 notre propagande usuelle sur ce qu'on fait pour le climat, pour la biodiversité. Il y a évidemment beaucoup plus de choses sur le site. Et au-delà de ces choses un peu inhumaines... Tous les collègues, c'est pour ça qu'on est venus tous les quatre, euh, sont à votre disposition. Aussi quand vous vous déplacez euh, dans les, via les groupes d'amitié ou dans les pays, euh, n'hésitez pas à pousser la porte de nos agences. Hein. On en a une centaine dans le monde. Hein. C'est un très grand réseau maintenant euh, qui sont euh, à votre entière disposition. Et moi, Monsieur le Président, à titre personnel, euh, on avait dit qu'on viendrait peut-être avec Eric Lombard vous expliquer le national et l'international. En tout cas, je suis à votre disposition pour revenir. Euh, aussi souvent que vous le voulez ou périodiquement pour euh, rendre des comptes sur l'action de l'agence. Merci. Très bien. Mais écoutez, un immense merci euh, à vous. Chers collègues, nous nous retrouvons euh, la semaine prochaine dans cette même salle à 9h45 pour l'audition de représentants de l'autorité de régulation des transports pour la présentation de la deuxième édition du rapport de l'autorité sur l'économie des concessions autoroutières. Un très grand merci à vous et on se donne rendez-vous aussi tout de suite pour notre petit cocktail de la commission.